Ah Oui, Oui, avez-vous effectué un achat de 620 et 68 dans une cité de Non. Et avez-vous effectué un achat de 732,85$ dans un esprit de K? Ben non! Non, alors, à ce moment-là, Mme Pauline, je vous annonce que votre carte a été clonée. Il y a quelqu'un qui est pour donner, pour faire des transactions, pour il faut bien rapidement corriger la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, pour corriger la situation, nous aurons besoin de votre carte et de votre numéro d'identification personnelle. Il y a un messager qui pourrait passer aujourd'hui pour récupérer votre carte. Nous avons vraiment besoin de votre carte pour corriger la situation, pour pouvoir la désactiver. En aucun temps, l'employé d'une institution financière demandera votre numéro d'identification personnelle, le NIP. Ce numéro est privé et vous appartient. Êtes-vous vraiment un enquêteur? Oui, vous faites bien une les fraudeurs utilisent souvent des applications leur permettant d'utiliser le numéro de téléphone d'une institution financière. Vous n'êtes pas capable de faire les modifications à distance sans avoir ma carte? Non, vous pourriez nous corriger rapidement pour éviter que les achats soient le plus il faut mettre fin au compte immédiatement. et pour régler ça aujourd'hui. Je vais vous envoyer un messager et je votre carte là, afin qu'on la désactive. Pour corriger ce genre de situation, les institutions financières n'ont pas besoin d'avoir votre carte de service. OK! Donc, vous allez mettre votre carte dans l'emploi. Il y a un messager qui va se demander. Vous allez lui remettre l'emploi. Qu'il viendra me porter rapidement afin que je puisse faire les correctifs. Et par la suite, là, je vais vous donner une nouvelle carte. Tout devrait être aujourd'hui. OK! Bon, dernière chose, afin que je puisse faire les modifications sur votre carte. J'aurais besoin de votre numéro d'identification personnelle pour accéder à votre carte. Vous ne l'avez pas? Non, pour des raisons de sécurité, vous êtes la seule à connaître, à connaître votre numéro d'identification personnelle. Imaginez que tous les employés de l'institution financière connaissaient votre liste. Oui. Vous avez raison. Ça arrête pas d'aller plein de main. Exactement. Madame Pauline? Le 1, 3, 5, 7, 9. Ne donnez jamais votre numéro d'identification personnelle à personne, même pas à votre institution financière. Merci beaucoup, Madame Pauline. Donc, préparez la carte dans une enveloppe un employé passera bientôt récupérer votre carte. OK. Bon. Vous, vous recevrez un encadre par la porte pour remplacer votre carte. Votre liste sera le même. Alors, euh, ben, j'ai terminé, Mme Collier. Si vous avez besoin d'autres informations, que vous viennes n'hésitez pas à nous rappeler. J'ai été heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Je vous remercie de nous faire confiance. Confiance et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Police de Granby, bonjour. En cas de doute, n'hésitez pas à communiquer avec votre service de police. Cette communication pourrait vous éviter d'être victime de fraude et peut-être même permettre l'arrestation d'un fraudeur, ce qui permettrait d'éviter à d'autres victimes de se faire prendre. C'est l'été pour le véhicule 28. J'envoie un appel au 125 577, ça va être pour rencontrer une dame prénommée Pauline pour une fraude. 04 en direction. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Girard, intervenant en médiation sociale à la ville de Granby. Dans mon rôle, je serai amené à intervenir avec les gens en situation d'itinérance et de vulnérabilité, avec une approche de réduction des méfaits dans le respect et le non-jugement. Je serai amené à collaborer avec les organismes communautaires, les services de police et municipaux, dans le but de parvenir à une cohésion sociale et un partage de l'espace public. Je serai là pour aider, écouter, et outiller la population. Les citoyennes et les citoyens qui ont des questions ou des commentaires peuvent les faire parvenir en remplissant le formulaire sur le site web de la ville, en espérant que nous pourrons mieux vivre ensemble. La bibliothèque polo Trépanier, c'est plus qu'un lieu, c'est un concept. Un concept de liberté intellectuelle où s'expriment la réflexion, la création et le partage. Un concept où des fibres individuelles composent un tissu social varié, uni pour former une communauté où les histoires, vie à travers ces histoires se racontent les chapitres d'un milieu de vie accueillant dynamique et inclusif Au fil des jours, ces récits sont une source d'émerveillement, d'amitié et d'échange. Évoluant au rythme de l'ère numérique, votre bibliothèque vous accompagne. De l'étagère au salon, du papier à l'écran. De l'aube à l'aurore, votre univers vous suit, faisant fi du temps et de la distance. Votre histoire se révèle beaucoup plus que par des mots. Elle se raconte à travers des moments. La bibliothèque paulo trépanier de Grenby, racontez-vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc euh, bienvenue à cette euh, séance du conseil municipal du 3 juillet 2023. Donc on va débuter par l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, euh, il y a deux points aux affaires nouvelles à ajouter. Donc, le 14.1, demande d'autorisation particulière pour l'autodrome Grembay. Et 14.2, acte de donation d'immeubles pour le projet de logements sociaux et abordable de la rue Simon-Sud. Donc, c'est proposé par M. Riel, appuyé par M. Vincent. Donc, avant de passer à la première période de questions, la séance de ce soir, elle est toute particulière. Si vous n'avez pas remarqué, il y a beaucoup de gens dans la salle. Euh, ça, ça, il s'agit de la dernière séance du conseil de quelqu'un dans la salle, de notre cher directeur général, M. Michel Pinault. D'ailleurs, plusieurs personnes tenaient à vous rendre hommage en étant, étant présents ce soir. On a la présence euh, dans ces maires, je pense que M. Langlois il est dans la salle. On a de nombreux conseillers municipaux d'ailleurs qui sont là. Je ne veux pas oublier personne. Je vois M. Euh, Yves Pronovo, M. Serge Ruel, M. Jean-Luc Napper, euh, Mme Louise Brodercomou, M. Jocelyn Dupuis, M. Joël Desmarais, M. Gaudard et M. Éric Duchesneau. Donc, euh, plusieurs euh, élus municipaux qui ont siégé lorsque vous étiez directeur euh, général. Plusieurs amis de la famille. Des gens du comité de direction, des employés de la ville, qui sont là vraiment pour vous. Et je pense que ça démontre l'impact que vous avez eu et l'importance que vous avez eu sur chacun d'entre eux et sur leur parcours. On pourrait y aller sur un petit retour en arrière concernant votre carrière. Donc, on peut débuter la photo. Donc, c'est en 1900. C'est en 1996, à l'âge de 38 ans, qu'a débuté votre carrière à la ville de Grimbé en tant que greffier. Donc, vous étiez là fièrement avec votre moustache que vous avez perdue au fil des années. Vous aviez déjà beaucoup d'expérience dans le milieu municipal après avoir passé près de 10 ans à la ville de Magog et quelques années à la ville de cette île. Dès votre arrivée, il y a eu une élection partielle. Donc, déjà, il a fallu faire preuve d'agilité très rapidement. Et cette agilité-là, elle vous a suivi tout le long de votre carrière. On sait qu'ici, tout bouge rapidement et que l'adaptation fait partie du quotidien. À peine. À peine. Oh! Et ça, en 98, ça, ça s'en vient. Enfin, en 98, vous avez été nommé une première fois directeur général par intérim. Puis là ils ont dit ben il y a pas été pire. on va leur nommer une deuxième fois en 2001 comme directeur général par intérim et finalement ça a continué, ça s'est transformé en 22 belles années à la direction générale de la ville de Grenbey et ça c'est lorsque la photo qui avait été prise euh, <laughs> qui avait été prise lorsque vous avez été nommé directeur général. <laughs> des fois des, des fois le, le, les visages changent pas trop hein? <laughs> Donc euh, vous avez collaboré avec plusieurs élus au cours de votre carrière, dont neuf maires, une mairesse, ainsi que des dizaines de conseillères et conseillers municipaux. Le rôle d'un directeur général, c'est vraiment de contribuer à l'avancement différents dossiers ou des enjeux. Et là, je vais nommer quelques dossiers et je, je dis bien quelques sur lesquels vous avez collaboré, contribué grandement. Et euh, à la maison, une, ce n'est qu'une infime partie de tout ce que Monsieur Pinot a pu faire pour la ville. Hein? Nous sommes en direct, M. Pinot, en direct, sur toutes les chaînes de télévision. <laughs> on, le, on va le mettre en story, M. Pinot. Donc, euh, euh, vous avez travaillé au niveau de la fusion de la ville et du canton, l'achat des terres minor, euh, que ce soit avec le centre aquatique, la revitalisation du centre-ville, la mise en place de la norme ISO, tout ce qui a trait à la sainte gestion. Vous avez fait des formations à Haïti pour venir aider euh, là-bas les gens et vous avez vécu deux crises majeures, la crise du verglas et la gestion de la pandémie. Donc, euh, tout différent, tous ces dossiers-là, vraiment, c'est très, très impressionnant dans une carrière. Euh, vous avez aussi un grand impact sur vos pères. Je me rappelle, il y a quelques semaines, on recevait euh, l'ensemble des directeurs euh, généraux de la Montérégie euh, qui sont venus ici dans la salle du conseil et ils n'avaient il que des éloges pour M. Pinault. Ils disaient comment ils avaient été un mentor pour lui, comment il avait influencé, comment son expérience est importante euh, pour eux et pour leur développement et comment vous les avez tout, soutenus tout le long de leur carrière. Vous avez aussi été reconnu à maintes reprises. En 2015, vous avez reçu le prix Mérite Comac. En 2019, le prix Mike Badam de la FCM. Et tout récemment, bon, il y a deux semaines, la médaille du député de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. C'est pourquoi c'est avec une immense gratitude que nous souhaitions saluer tout le temps que vous avez consacré à notre ville que vous aimez tant. On sait, vous ne comptez pas vos heures, sinon euh, je pense que ça aurait coûté cher. Au cours des 27 années passées à la ville de Grimby, vous avez joué un rôle crucial dans le développement et la croissance de notre ville. Votre expertise et votre dévouement ont laissé une forte empreinte au sein de toute l'administration municipale. Par votre vision stratégique, vos qualités de gestionnaire et votre leadership, vous avez contribué à faire de Grimby une ville prospère, accueillante et dynamique. Il serait passé sous silence vos talents négociateurs, ainsi que votre côté humain et votre sensibilité face aux plus vulnérables. Mais au-delà de vos accomplissements professionnels, vous avez touché le cœur et l'esprit de tous ceux et celles qui ont eu le privilège de travailler avec vous. La présence de toutes ces personnes dans la salle ce soir en est la preuve. Vous avez été un mentor inspirant, un leader positif et un exemple d'intégrité. Votre porte... Et votre cellulaire a toujours été ouvert pour écouter, conseiller, encourager chaque membre de la grande équipe de la ville à donner le meilleur de lui-même. Au nom de l'ensemble des membres du conseil municipal, je souhaite exprimer ma plus sincère gratitude pour votre contribution exceptionnelle à notre ville. Merci pour votre conseil et votre soutien. Le conseil a toujours pu compter sur votre étroite collaboration pour faire progresser la ville. Monsieur Pinot. Vous avez été une source d'inspiration pour nous tous. Vous êtes un exemple remarquable de service public et je suis convaincue que votre héritage continuera de guider nos actions dans les années à venir. Sur une note plus personnelle, je peux vous affirmer que vous avez fait de mon début de mandat à la mairie une expérience exceptionnelle et que votre soutien a été au-delà de mes attentes. Et je souhaite que la complicité qu'on a su élaborer puisse perdurer au-delà du 1er août ou du 25 juillet à 15h. Merci du fond du cœur et profitez bien de cette dernière séance publique. Merci pour tout, M. Pinault. Michel, merci. Oui, donc euh, on est dans la logistique. On va, euh, on va, prendre une petite pause à la maison. On va revenir dans deux petites minutes parce qu'on va demander euh, tous les gens qui sont venus pour Monsieur Pinault, euh, les anciens élus, les membres du comité de gestion, la famille, tout ça. On va aller prendre une photo dans les marches euh, pour souvenir, euh, pour que Monsieur Pinault aille ce souvenir-là avec lui. Donc on va prendre une petite pause euh, de quelques minutes à la maison. On revient, ça ne sera pas bien long. Bye. I... Reponsoir euh, euh, tout le monde à la maison. Donc, euh, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, euh, c'est qu'on souligne en fait euh, la retraite de M. Pinault qui quitte euh, dans quelques semaines. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a eu un petit interlude. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui sont présents. Et d'ailleurs, euh, les gens qui sont venus pour M. Pinault, s'il y en a qui quittent durant la séance, on vous demanderait juste de passer vers l'arrière. Il y a le livre d'art qui est là. Donc, on va vous demander une petite signature. Ceux qui quittent avant la fin de la séance, bien entendu. Donc, on a euh, déjà fait l'ouverture de la séance et l'adoption de l'heure du jour. On irait avec la première période de questions des citoyens et des citoyennes. Donc, s'il y en a qui ont des questions, vous venez au micro, vous nommez votre nom, votre district et euh, comme à l'habitude, vous avez un, un cinq minutes. Merci de nous recevoir. On, a, on est deux aujourd'hui pour une petite question à deux. J'ai vérifié que c'était légal en cinq minutes. Puis, on, on va parler d'étoiles, pas d'étoiles de, de performance municipale, mais de… D'astronomie, euh, donc parce que. Oh, je vais, juste je... vous nommer, Madame. Donc, Kelly, je Kelly je connais, euh, mais... <laughs> moi, je suis du district 10. <laughs> puis je suis avec être... Patrick Parent du district 2. Euh, fait que Notre démarche part du fait que la MRC a été construite euh, au cours de l'année, puis tout la... durant toute l'année, j'avais un gros spot lumineux qui éclairait euh, très intensément l'intérieur de ma maison, puis ça l'a fait réfléchir ma famille sur le gaspillage puis la pollution lumineuse. Que je voulais vous dire, donc, considérant que plus que plus, plus ou moins 35 à 50 de l'éclairage qu'on fait à Granby euh, est gaspillé à éclairer le ciel, ça a des conséquences financières et énergétiques non négligeables. Aussi, considérant qu'un éclairage nocturne intense nuit au rythme circadien des humains et des animaux et peut confondre la faune, la faune de différentes façons en modifiant les habitats. Considérant aussi qu'une amélioration de la qualité du ciel nocturne localement, Pourrait avoir des retombées économiques et touristiques intéressantes, euh, favorisant, favorisant l'astrotourisme et améliorant la qualité de vie des habitants de la ville en redonnant accès au ciel étoilé. Considérant que notre ville voisine, la ville de Sherbrooke, a réussi avec succès, grâce à des interventions, à obtenir la première certification de ciel étoilé urbain au Canada, euh, la, le Urban Dark Sky Place au parc du Mont Bellevue et que les scientifiques cherbourgois ainsi que d'autres experts ont offert de partager avec nous leur expérience pour guider notre démarche. Considérant que nous disposons d'un parc urbain, le Centre d'interprétation de la nature du lac bovin ainsi que le parc de la Yamaska, qui pourrait faire l'objet de travaux en vue d'obtenir cette certification. Puis considérant aussi qu'on a, a plusieurs organismes de conservation locaux, notre ville est riche de la CETI, de la COI, qui pourraient avoir des retombées, donc cette démarche-là pourrait avoir des retombées pour bénéficier de leur mission de conservation et considérant que l'obtention d'une certification d'un oasis étoilé demande une implication importante de la ville, des instances municipales, pour entre autres peut-être changer la réglementation actuelle et rendre la ville un exemple d'éclairage sécuritaire, mais non éblouissant et intrusif. Donc, nous vous demandons, chers élus, Chers concitoyens, d'autoriser et de supporter la création d'un comité spécial pour mener les actions nécessaires à l'obtention d'une certification d'un ciel étoilé urbain. Donc, le Urban Dark Sky Place, c'est ce que le Mont Bellevue a obtenu très récemment. Donc, ce serait dans notre magnifique ville de Granby. Le centre nature est situé au nord-est. Les perséides, on les regarde au nord-est. Donc, c'est parfait de dire par là, il va faire plus noir. Et le centre naturel pourrait devenir un modèle d'éclairage pour tous les citoyens qui, des fois, ont des éclairages intrusifs. D'ailleurs, j'ai fait une intervention il y a deux mois, que je disais que la ville bleuit, la ville devient très, très éclairée. Et les cartes satellites pour la pollution lumineuse, on voit que grande Granby, le cercle de luminosité augmente de plus en plus. Donc, on demande à la ville de nous accompagner et de soutenir ce comité dans ses efforts. Donc, est-ce que ce serait possible d'instaurer ceci Dès cet automne ou dans un avenir très rapproché, enverriez-vous l'intérêt pour la Ville? Merci. Bien, pour le moment, on va prendre le temps d'étudier le dossier, voir ce que ça implique pour la municipalité, et ce qu'on doit mettre en place, puis on vous reviendra. Donc, si vous avez un dossier, n'hésitez pas à nous l'envoyer, puis on prendra le temps de regarder tout dans un des comités euh, de la Ville. Euh, on, on va vous revenir. Oui. Bien, nous, on oui. est déjà en communication avec les gens de Sherbrooke. Oui. On a un adresse euh, Internet aussi pour les gens qui veulent nous rejoindre. C'est celle étoilée, grande à gmail.com. Donc, tous les gens qui sont intéressés par la cause, on, on les invite à nous rejoindre. Parfait. Merci, Merci M. Parent. Bonjour. Euh, Bruno Saint-Amand, résident du district 8 et euh, propriétaire d'un terrain vacant sur la rue Saint-Charles. Donc, euh, j'avais quelques petits points dans les cinq minutes. Aujourd'hui, le premier, euh, c'est drôle, ça, ça concerne l'éclairage de la ville. Je veux savoir, on en était rendu où dans l'échéancier des travaux pour le changement des lumières? Vous savez, j'étais venu à plusieurs reprises concernant ça. Finalement, quelques mois après les élections, vous avez entériné le tout, parce qu'on fait des grosses économies, mais je m'aperçois que sur le boulevard Leclerc, ça traîne un petit peu euh, par rapport à ça. Donc, je veux savoir, c'est quoi les échéanciers avant qu'on ait terminé de changer l'éclairage? Euh, Bien, on avait déjà commencé l'an passé à faire euh, des changements au niveau de l'éclairage d'aide. Ça se poursuit euh, encore cette année. Euh, là, je ne pourrais pas vous dire combien qui en reste à changer exactement, là, mais on se rappellera, c'est quand même. Euh, on avait mis au départ euh, pas loin d'un 2 millions pour faire tous ces changements-là. Donc, ça suit son cours. On pourrait vous tenir informé euh, dans votre coin à quel moment on pense que ça peut arriver là, par la suite. surtout que le boulevard Leclerc est quand même dans un piteux état à plusieurs endroits. Donc peut-être prévoir si jamais vous devez changer le filage qui est sûrement le cas pour pouvoir poser des lumières euh, qui sont à faible décharge électrique euh, donc à ce moment-là ça serait de penser pour qu'on redéfasse euh, ce qu'on aurait à refaire. Euh, deuxième point concernant les fameuses euh, trottinettes électriques ou scooters mm -hmm. électriques. Je voudrais savoir ce que votre position par rapport à ça parce qu'on en voit... Moi, ça fait 5-6 ans que j'attends juste une position claire par rapport à ça. Je suis déjà venu au micro par rapport à ça aussi. Euh, on en voit partout euh, des gens qui n'ont pas de casse, des gens qui prennent des risques aussi. On sait que ça va à des vitesses quand même assez rapides. Donc, je veux voir c'est quoi la position euh, de la Ville par rapport aux euh, scooters électriques. Puis on ne parle pas en location mais bien en possession. Au niveau des trottinettes électriques, présentement, c'est toléré. Euh, au niveau de la ville, puis du service de police de Grimby. Ce qu'on souhaite dire, c'est, bon, s'il y a des gens qui utilisent ça au lieu de prendre l'automobile ou quoi que ce soit, c'est mieux. C'est sûr qu'il faut que les gens, ça, ça soit fait quand même en sécurité. Là, on sait qu'il y en a qui peuvent aller quand même assez vite, euh, mais pour l'instant, ça reste toléré au niveau de la ville. C'est sûr qu'il y a des réglementations aussi au niveau gouvernemental, mais il n'y a pas de règlement qui l'empêche ou, euh, ou quoi que ce soit. Donc, on s'est toléré. Il n'y a pas de règlement non plus qui l'encadre? Non, pas okay. pour l'instant encore. Est-ce que c'est dans vos plans de peut-être l'encadrer avant qu'il y ait une grosse balade qui arrive? Je vous dis ça comme ça. Oui, on peut regarder, mais en même temps, on est aussi, on invite les citoyens à la prudence, là, parce que même si on encadre, ça ne veut pas dire que les citoyens vont suivre. Donc, on demande à les citoyens d'être sensibilisés puis de faire les choses en toute sécurité. Super. Troisième point concernant le logement. On le sait, là, on passe tout juste le 1er juillet. Donc, euh, la crise du logement, s'il y en a qui ne veulent pas en nommer, elle est très présente. Grimby, quasiment euh, 0.1 de disponibilité. Euh, une moyenne des loyers au Québec qui dépasse le 1000 000 pour un 4,5. et euh, demi. Quand on pense à notre chèque de paye, qu'on fait la, la, les proportions, il y a plus que la moitié pour bien des gens qui vont vers le logement. Je me demandais c'est quoi que vous faites en tant que conseil et vous, Madame la mairesse, qui est prévu concernant le logement. Euh, puis là, on ne parle pas nécessairement de logement social, mais de créer plus d'offres. Je suis curieux de savoir. Oui, en fait, on est à 0.4 de taux de vacances au niveau de grimby Puis peut-être mentionner aussi euh, on a mis en place un service d'aide à la recherche au logement avec l'OMH de grimby Et il nous disait qu'il y avait quand même déjà de 50 familles qui sont sans toit, sont hébergées chez des amis ou de la famille. Donc, oui, on vit aussi une crise du logement ici même à grimby puis on en est conscient. Euh, il y a un 90 logements au niveau de la rue Simons, logements abordables, qui devraient euh, monter, qui devraient être prêts pour juillet 2024, si je ne me trompe pas. Euh, C'est dans le cadre du PHAQ. La Ville est venue financer une partie du terrain, est venue financer une partie du projet. On est venu racheter l'argent, même si à cause des coûts de construction qui ont augmenté. Ensuite, il y a la co aussi, qu'on est venu nous aussi euh, travailler avec eux donc euh, payer une partie du terrain pour venir comme mise de fonds donc euh, une 35 logements à ce moment-là familial intergénérationnel j'ai annoncé aussi il y a quelques mois, il y aura une annonce éminente dans les prochains jours qu'au niveau du terrain de la piscine Miner, on veut avoir des logements abordables là. Donc, il y aura un appel de proposition qui sera lancé à l'ensemble des promoteurs. On travaille aussi avec l'ensemble des promoteurs au niveau de la ville pour s'assurer de venir développer, densifier nos projets et euh, s'assurer que ça réponde aux besoins et créer des milieux de vie aussi agréables pour les citoyens qui vont, qui vont y être. Donc, on travaille sur un plan de densification de de la ville pour bien outiller nos promoteurs, sur le PPU Centre-Ville aussi, PPU de Nessun pour venir outiller nos différents promoteurs. Donc, c'est les différentes actions qu'on met en place. On a d'ailleurs eu une rencontre avec euh, une députée fédérale responsable du logement ici euh, il y a quelques mois avec l'ensemble des promoteurs de la ville de grimby pour voir qu'est-ce qu'accrochait, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Donc, on est toujours en lien avec eux pour améliorer les choses et s'assurer qu'il y ait des logements qui montent à grimby parce qu'en tant qu'élu, vous avez deux pouvoirs, la créativité la réglementation. La réglementation étant des fois de dézoner, de changer un certain oui. type de zonage. Je dis ça comme ça, mais on a un des plus gros îlots de chaleur. Qui Et sont votre temps les... est écoulé, monsieur C'est okay. que Je reviens en deuxième partie. Oui, effectivement. Je vais faire une petite poursuite. Merci. Merci. Beaucoup. Bonjour, je me présente, David Wright, un des responsables pour le cimetière Pinewood emplacement coué. Je suis là, pas là pour vous chicaner, je suis là pour vous féliciter. Euh, premièrement, comme tout autre chose, là, il y a de l'amélioration qui est possible. Euh, Aujourd'hui, dans ma tournée tous les deux, trois jours pour ramasser les cochonneries, euh, j'ai rencontré un de vos locataires, euh, les nou le nouveau. Il est là depuis jeudi. Euh, il a l'air d'avoir bien de l'allure. Il a réservé pour euh, un mois. Alors, il m'a dit qu'il trouve que c'est dégueulasse euh, la section en arrière où il y a les bacs de récupération, les bacs gris et tout le restant. Il y a une personne qui est là et qui jette des affaires un peu partout. Les bacs n'ont pas été vidés. Je ne sais pas s'il y a un, euh, un temps pour aller euh, les ramasser. Il y a même affaire d'aller les porter jusqu'à jusqu'à la rue Coué. Um, je trouve que il a pas assez de, de back brun, il y en a pas de back brun. Aussi, il y a pas de, uh, de station pour les uh, petits uh, sacs pour les chiens. J'en ai pas vu en tout cas. Ça, j'en trouve souvent sur notre uh, <coughs> terrain. Avant que le temps progresse trop, là, je, je pense que c'est en marche là, pour euh, poser une clôture. Euh, on n'a pas eu de, de renseignements. Il était supposé poser des euh, piquets rouges pour qu'on voit l'emplacement. Notre cimetière existe depuis 1800 quelque chose. Et puis non, nous, on n'a pas de, de certificat de localisation. Il doit sûrement y avoir un, un euh, papier à quelque part là, qui dise la limite du cimetière. Il y en a des groupes qui sont vraiment proches de nos pierres tombales. Euh, un jour, ils ont fait leur lavage, puis ils ont étendu leur linge sur les pierres tombales. Moi, je n'ai eu aucune plainte de nos locataires. Ils sont là depuis longtemps. C'est sûrement les gens qui viennent visiter leurs parentés qui sont là, qui se plaignent de ça. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Je m'excuse. Je n'ai pas l'expérience de M. Dubé devant le Conseil, là. Vous avez très bien fait ça. En fait, euh, peut-être juste pour répondre à vos questions, on en prend bien note pour au niveau des déchets et tout, on va envoyer, euh, on va s'assurer que ça soit fait euh, plus. Euh, plus promptement, plus rapidement euh, s'assurer que ça soit vidé bien entendu. Euh, au niveau de la clôture, euh, c'est à l'heure du jour de ce soir, donc c'est peut-être pour ça que rien n'a été installé puisqu'il faut que ça passe en résolution tout d'abord, okay. mais euh, les démarches euh, sont en cours. L'objectif va être bien évidemment euh, de, de s'assurer que les gens prennent le corridor dédié au lieu de passer à travers euh, le cimetière, bien entendu, et de bien délimiter euh, les terrains et euh, c'est certain, on travaille avec des humains, on travaille avec des humains qui ont des problèmes de santé mentale, de toxicomanie. On a des intervenants qui euh, qui sont aussi sur place, qui vont euh, qui vont tenter de les aider, quoi que ce soit. Mais on entend bien euh, les enjeux. Je pense que vous êtes aussi en lien avec nos gens, avec nos différents intervenants. Donc, on va continuer la collaboration, le, la communication qu'on a déjà euh, entre vous et nos intervenants, puis on va s'assurer que le tout se passe bien pour la saison estivale. Oui, puis merci pour votre décision de retirer sur le parc Yamaska. Merci. merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. bonsoir. C'est euh, Jawad Ilkabi. C'est euh, la fin de la session municipale pour cette année-là. Donc, euh, moi, j'ai vu que euh, les journalistes n'ont pas parlé de vos réalisations pour cette année, pour cette session ou l'autre. Donc, euh, j'ai pris l'honneur de citer quelques un unes de vos réalisations. Donc, la conclusion de ces deux années, Mme Julie Bordon et le Conseil municipal ont abandonné les citoyens. La crise est partout. Problème de reloger les itinérants. Toujours pas de transport en commun pour ad adapter, pour servir le parc industriel. Lignée de poules qui tapissent les rues de la ville. Toujours pas de rénovation de théâtre que des promesses. Effacer le patrimoine de notre chère ville comme Saint-Eugène et maintenant changement du nom de l'église Saint-Benoît. Les grands artères de la ville sont dans un état catastrophique rue principale, du frein Leclerc et j'en passe. Pas d'université encore, que des promesses, déjà une année. Augmentation des crimes de 25 augmentation de la violence conjugale de 15 la crise du logement a fait entendre ses cloches. Le taux d'inoccupation est de 0,1%. Mauvaise qualité d'eau, eau jaune et orange dans les robinets des citoyens. Monter les campements des itinérants au lieu de les loger correctement. Madame la mairie se réjouit d'un surplis plus n'ont affecté de 12,4 millions de dollars lors de la présentation des états financiers pour l'année 2022, au moment où la crise est partout et au lieu de réparer les routes, par exemple, ou loger les itinérants. La démocratie est en recul. Installation de la minuterie chrono lors de la participation citoyenne, on n'est même pas nombreux, souvent une de une personne à trois personnes. Notre chère mairesse, à chaque année, même mois, même semaine, partout en Europe Est-ce que c'est devenu une vacance institutionnalisée et que c'est le contribuable qui paye Madame la mairesse, on vous voit souvent comme une conférencière on dirait que c'est une professeure universitaire ou une mairesse en stage. Donc, ma question la session prochaine. Mesdames et messieurs, les conseillères, les conseillers, notre chère mairesse, est-ce qu'il serait comme ces deux années passées où, il a, où on va rester sur la même situation Bien, effectivement monsieur El vous avez nommé il y a plusieurs enjeux sociaux hein, présentement qu'on doit faire face, la crise du logement, on y répond par la mise en place de logements abordables, par l'accompagnement de gens qui cherchent des logements par le travail avec les promoteurs pour venir densifier notre ville, avoir plus de logements. Au niveau des itinérants, on a déjà parlé. C'est une responsabilité qui appartient à l'ensemble de la société. Ce n'est pas une responsabilité qui appartient juste à la municipalité. La municipalité en fait déjà beaucoup. Mise en place d'intervenants qui vont sur le terrain, qui vont aller soutenir les, les, les itinérants et les amener vers les services, vers les services sociaux. Euh, donc on y travaille Très fort. Pour les nids de poules, bon, on travaille au niveau des infrastructures. C'est 22 millions qui ont été mis cette année dans les routes. Hein, bien évidemment, on pourra en mettre 100 millions, puis il y aurait peut-être encore des nids de poules. Donc, on y va tranquillement, pas vite. Puis en même temps, on travaille la mobilité active parce que lorsqu'on fait les routes, on s'assure de mettre également des pistes cyclables, des pistes multifonctionnelles. Au niveau du palace, Bien, ça avance. En fait, on a lancé les plans de vie. Donc, les plans de vie ont été attribués pour euh, le dossier. Donc, le dossier continue d'avancer. Puis, au niveau du surplus, en fait, on se rappellera, il y a eu un surplus effectivement de 10, euh, quelques millions. Avec le surplus accumulé, on arrive à, à 12,4. Et c'est dû au. Taxes de mutation parce qu'on a une très belle vitalité économique. Donc, grâce à notre vitalité économique, on a eu des taxes de mutation énormes cette année. Et justement, on s'est dit le Conseil, hey, bien, effectivement, il y a des enjeux sociaux, on va mettre de côté de l'argent pour ça. On est venu mettre 5 millions de dollars de côté du surplus pour nos routes pour la mobilité active. On est venu mettre de l'argent, 2 millions pour le palace de côté. On est venu mettre 1 million pour les logements abordables. On est venu mettre de l'argent aussi pour la préservation des milieux naturels. On est venu mettre, je peux les nommer, on vient répondre aux besoins qui sont vécus aujourd'hui. Grâce à cette vitalité économique-là, on vient répondre aux enjeux sociaux vécus par les citoyens et citoyennes de Grambay. Merci, on Monsieur le Maire. On veut des réalisations, Gavis. mais pas juste des promesses, Madame la mairesse. Je vous Merci. souhaite une très belle soirée. Bonsoir. Bonsoir. Euh, mon nom est Serge Gilbert. Euh, je ne sais pas le numéro de district. Je demeure sur la rue du mont -Brom. Euh, District 3. District 3, donc, euh, près de la nouvelle école euh, primaire qui s'en vient, là, Les oui. Monarques. Alors, c'est un immense chantier. Bravo, d'ailleurs, pour tout ce qui, qui se passe. Et lors de mes marches quotidiennes, euh, j'ai eu des questionnements par rapport à la sécurité des élèves. Euh, qui vont marcher bientôt, là, en septembre, pour se rendre à l'école. Euh, dans un premier temps, je me demandais si les trottoirs allaient être. Je sais qu'il fait beau là, en ce moment, là, mais est-ce que les trottoirs vont être euh, déneigés cet hiver dans le, le coin, justement, de, de l'école? À proximité des écoles, oui. OK. OK. Bien, parce qu'il n'était pas là cette année. Non, non. il n'était pas, école, mais étant donné l'école, ils vont répondre aux critères et on va venir les déneiger. Effectivement. Parfait, merci, ça répond à ma question. La deuxième, c'est l'intersection de Mountain et de Richard Frost. Euh, nous, ça prend toute la, la misère du monde pour la traverser. Euh, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a des élèves qui vont avoir à traverser ça. Pour l'instant, non. Euh, les élèves qui sont de l'autre côté dans les Boisier-Martel vont prendre l'autobus euh, jusqu'à temps que l'artère soit réaménagée. Donc, on, on attend que les constructions finissent et l'artère va être aménagée de façon sécuritaire pour qu'éventuellement, justement, les enfants de l'autre côté dans les Boisier-Martel puissent venir à pied euh, à la nouvelle école. J'espère que ça va être le plus tôt possible, parce que je, sais, je pense que vous êtes euh, une adepte là, de, du transport actif. C'est des super beaux trottoirs qui ont été aménagés, mais c'est une intersection qui, en tout cas, s'il y a des élèves qui marchent, ça risque d'être très dangereux. Alors, euh, le plus tôt euh, sera le mieux. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, monsieur. Mon nom est Pierre-Albert Morin, Bonsoir. quartier 5. Euh, J'aimerais savoir ce qui se passe là, avec le, le développement qui rentre entre. Euh, la rue Irwin et le, 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 le séminaire parce que c'est épouvantable là euh, les camions passent On ne on peut pas ouvrir les fenêtres c'est la, la de la fumée pas de la fumée mais de la poussière de, puis ça ne se résorbe pas Bien, on peut on peut vérifier, mais c'est sûr que normalement, lorsque c'est sec et tout, on demande aux entrepreneurs de, de mettre un peu d'eau pour s'assurer qu'il n'y ait pas de poussière. On peut faire un suivi avec l'entrepreneur, euh, s'assurer que ça soit que ça soit correct. On, on fera un petit suivi à ce moment-là. Ce que je peux vous garantir, que la semaine passée, là, là, ça va être plus de rue euh, ruine. Là, ça va l'air' de la boue plus que d'autres choses, parce que lorsqu'il y a eu des pluies, c'était euh, ils ont même passé un balai mé mécanique sur, sur la rue. A, plusieurs fois, même la, la ville envoie un, des, un balai mécanique, mais là, ça semblait être le contracteur qui avait placé ça, mais c'était de la boue. Là. Je, je pense que je suis arrivé envoyer mon, mon compte de, de nettoyage de l'auto. C'est ça, des fois, il y, a des, il y a du développement, mais on s'assure quand même, c'est euh, sais, s'il y a de la poussière et tout, qu'il n'y ait pas effectivement trop de poussière, puis qu'il y ait de la bas poussière euh, qui soit mise en place. Merci. Bonjour, mon nom est Claude Archambault, District 6. Bonsoir. Bonsoir à tous. Euh, je suis venu l'autre fois, puis à ce coup-ci, je voudrais vous parler de la je ne sais pas, la, la planification, mettons, de la ville. Parce que l'an passé, moi, au, à, partir du, à partir du printemps, tout l'été, on a traversé le pont de la, de la rue Robinson. C'était chaotique au bout. À un moment donné, on s'est décidé de faire des travaux, au mois de septembre. On a commencé par tracer les lignes. Je ne sais pas si on pensait qu'avec la peinture, ça aurait tout bouché les trous, mais ça n'a pas marché. Après ça, la semaine suivante, on a fait l'asphalte. Fait il y a des petits bouts de ligne qui ont réussi à survivre à ça. Je me demande où est la planification dans ces travaux-là. Et puis encore là, cette année, je regarde, on regarde la qualité, là. Pe petit trou, gros trou devenu bosse. Ça fait il n'y a rien de régulier. Si vous voulez tester la. Mais vous parlez du pont Robinson en tant que tel. Hein? Pardon? Vous parlez du pont Robinson? Hein? Pont Robinson, oui. oui. le pont Robinson il appartient au MTQ, mais on peut euh, s'assurer de faire le message euh, avec le, le MTQ pour euh, la gestion. Euh, mais c'est le les doucement. gens de la ville de Grimby qui ont. Qui faisaient ça. Pardon? Qui faisaient les lignes, c'est ça, que vous dites? Je les ai, ai, ai vus. OK. Bon, bon, on va s'assurer d'avoir des travaux coordonnés. Et puis, je voudrais vous parler aussi de la. Mettons la constance à la signalisation. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais dans la signalisation, il y en a deux. Trois sortes, la signalisation, horizontale, verticale, puis temporaire. Ça fait que là, euh, l'an passé, s'il y avait un visiteur qui passait sur la rue Robinson, en face de la rue, euh, je crois que c'était. Plus loin que la rue Édouard. Entre la rue Édouard et le pont de la Robinson, là, il, y a, il y a un sens unique. C'était effrayant tous les panneaux de signalisation qu'il y avait là. S'il passait un, mettons, un, pas, pas, pas un témoin, mais un visiteur qui voyait tous ces panneaux-là, il devait se demander les gens de Grimby ne rien à signalisation. Alors, il y avait tant de panneaux que ça. Après ça, vers la fin de l'été, on a commencé à enlever. Mais encore aujourd'hui, on a des panneaux que c'est le seul sens unique que je vois tous ces panneaux-là. Il n'y a aucune constante dans la signalisation. Ça, je peux vous dire. Et puis, je pourrais vous parler aussi du triangle. La rue Géroir, j'ai vu à Granby. aller sur la rue Erwin, vous avez exactement le même pattern. Vous avez un triangle rectangle. Peut-être pas parfait, là, parce que l'angle droit, il n'y a pas 90 degrés. Et puis, que l'hypoténuse, il a peut-être une courbe dedans, là, mais c'est exactement le même pattern. Et puis, sur la rue Géroir, on ne peut pas mettre des panneaux de contournement. Mais, sur la rue Erwin, près de principale, ça marchait. Si tu passes que sur la rue Géroir, Monsieur Monsieur m'avait dit que ça se prêtait pas. Si tu passes le terrain, pas assez solide, quoi, je suppose. Mais l'analyse, comme je vous ai déjà répété à quelques reprises, a été faite au comité de circulation et a été réanalysée, Puis c'est la, la, la décision qui a été mise en place pour la rue Géroir. Ok, en parlant du comité de signalisation. Quand, quand la première installation de stop a été faite et mal faite, là, pas au bon endroit, quand, quand le, le monsieur est venu avec la madame, on a discuté, mais on a discuté, c'est-à-dire, j'ai parlé avec la madame, mais non avec le monsieur, parce que le monsieur, lui, il me faisait dos, puis à un moment donné, il a dit ce stop-là, du nez, on va le mettre là, -là on va le mettre là. Il a murmuré ça, mais j'ai compris. J'ai dit là, sur le coin de 15 Girouard, on n'a pas besoin de ça, mais c'est des passages fréquemment. amplement. Ça fait que le comité, là, il venait de décider. C'est là, là que j'ai vu que le comité avait décidé. C'est ça qui allait être fait, pas d'autre chose. Bon, on a des super bons experts à la Ville et je leur fais confiance. Pardon? On a des bons experts à la Ville et je leur fais confiance. Oui. <laughs> oui, c'est ça. Des, même à ce moment-là, j'ai parlé de terrain giroirard Je ne sais pas si j'avais posé c'est un îlot qui fait face à la Russie. Vous avez un stop à une extrémité, l'autre extrémité, il n'y a rien. Donc, c'est dit que c'est un sens unique, puis il n'y a pas de flèche. C'est un sens unique, pas de flèche. Mais là, on a dit, ah oh non, n'est pas, pas un sens unique. Puis là, ils ont été... Là, il y en a qui ont admis qu'il manquait un stop. Ça, c'est l'imposé. Il n'y a pas de stop encore. Puis l'autre stop, il est là depuis un bon moment, là. Il n'y a pas de ligne d'arrêt encore. Que tout stop doit être accompagné de ligne d'arrêt. C'était pas tout de suite. Que ça, il me reste, je vais arrêter là, parce qu'il il me reste plus de temps. Je vais, je vais retourner à ma petite place. Mais merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis M. Pinaud vous souhaite encore une bonne retraite. Merci. merci, M. Archambault. Donc, on va y aller avec les questions par courriel. Donc, on, nous avons une question de Mme Janine Van Den District 6. Je voulais la question. J'ai pu constater cette année que pour tous les bacs à fleurs suspendus à travers la ville, les couleurs des fleurs sont loin d'être joyeuses et certaines d'entre elles devraient être plantées dans des massifs et non dans des boîtes à fleurs. J'en plante personnellement chez moi autour d'une statue qui monte jusqu'à 5 pieds de hauteur. Ceci est une remarque positive. Merci beaucoup pour la remarque. On, nous avons une question de M. Benoît choignard. Donc, quand allons-nous voir une réelle différence sur la place des voitures à Bay Je vous invite à vous promener à pied à Bay. La ville pourrait être très innov innovante. Oui, bien j'invite euh, j'invite monsieur à regarder notre nouveau plan de mobilité active qui est euh, adopté ce soir en résolution et qui, euh, qui est disponible sur le site Web. Donc, vous allez voir la vision du développement de la mobilité active pour les quatre prochaines années. Est-ce qu'il y avait d'autres questions courrielles? C'est tout. Donc, il y aura une deuxième période de questions à la fin. On va débuter avec l'ordre du jour. Trois points. approbation du procès verbal du 19 juin 2023, donc proposé par M. Goulet appuyé par M. Giard. Maintenant, 3.2.1, demande de dérogation mineure sur la rue Guertin. Madame Rowe. Alors, bonsoir à tous. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser cette dérogation mineure, il s'agit d'accorder la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 944-10 rue Gertin, de façon à autoriser un bâtiment principal jusqu'à 5 mètres de la ligne arrière de terrain. Considérant qu'en vertu des dispositions du règlement de zonage, il est établi que la norme est de 10 mètres, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, on est présentement en Assemblée publique de consultation. Les gens qui souhaitent intervenir euh, sur la question peuvent le faire au micro par courriel. Est-ce qu'on avait des euh, courriels à ce sujet-là? Non. Donc, proposé par Mme Rowe, appuyé par Mme Tremblay. Maintenant, pour le 3.2.2, concernant la demande de dérogation mineure pour le 1000 rue Le Corbusier. Mme Rowe. Alors, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, à l'effet d'autoriser cette dérogation mineure, il s'agit d'accorder la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1000 rue Le Corbusier, de façon à autoriser une structure d'œuvre d'art d'une hauteur jusqu'à 5,2 mètres et d'une largeur jusqu'à 3 mètres. Considérant qu'en vertu des dispositions du règlement de zonage, il est établi que la norme est de 2 mètres maximum pour la hauteur et la largeur d'une sculpture en zone résidentielle, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, on est en Assemblée publique de consultation. Les gens qui souhaitent intervenir sur la question euh, peuvent le faire maintenant au micro par courriel. Donc, est-ce qu'on a des courriels à ce sujet? Donc, c'est proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Dionne. Maintenant, 5.1, prolongation d'entente concernant la Corporation de Développement commercial et touristique de grimby Région. Monsieur Dionne. Oui, merci, Mme la mairesse. Bonsoir, tout le monde. Donc, considérant qu'une réflexion a été amorcée par le conseil municipal concernant l'élaboration d'une stratégie de développement économique, considérant aussi que l'entente qui est présentement signée est en vigueur avec euh, Commerce Tourisme Bay Région vient à échéance le 31 décembre 2023, je fais la proposition de prolonger l'entente conclue le 22 novembre 2018 avec la Corporation de développement commercial et touristique de Bay Région relativement à la mise en œuvre du développement et des initiatives d'ordre commercial, promotionnel et touristique, et ça jusqu'au 31 décembre 2024. Merci beaucoup, donc proposé par M. Diane, appuyé par Mme Baudin. Maintenant, le 5.2, prolongation d'entente concernant Grimby Industriel, Monsieur Lacasse. Alors, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir à la maison. Considérant les réflexions et pour parler entre la ville de grande et, et grande industriel, considérant qu'au terme de la résolution adoptée le 1er mai 2023, l'entente conclue vient à échéance le 31 décembre 2023, de prolonger l'entente conclue le 1er janvier 2019 avec développement industriel grande et région incorporée, donc grande industriel, concernant le développement industriel jusqu'au 31 décembre 2024, j'en fais la proposition dans la mairesse. Merci beaucoup, Monsieur Lacasse, appuyé par M. Lemay. Maintenant, 5.3 concernant le transfert d'unités d'habitation de logements sociaux de Waterloo vers Grimbé. M. Riel. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir à tous. Considérant que la ville de Waterloo compte une proportion trop élevée de logements sociaux par rapport aux besoins de sa population, considérant que la ville de Grimbé présente un grand besoin de logements sociaux pour répondre à la demande, je propose d'accepter le transfert de 28 unités de logements sociaux de la ville de Waterloo vers la ville de Granby en, en assumant les coûts de 10 du déficit d'exploitation qui y sera associé. Merci beaucoup, M. Riel, s'appuyer par Mme Moreau. Donc, c'est une demande qui est envoyée à la Société d'habitation du Québec euh, pour avoir accès à ces logements-là, ici même à Grimbé. Euh, 6.1, projet pilote concernant le vote en ligne pour les élections municipales 2025. M. Lemay. Merci, Madame la mairesse. Bonjour à tous à la maison et dans la salle. Donc, euh, considéra considérant qu'Élection Québec est à la recherche d'une quinzaine de municipalités de plus de 20 000 habitants qui seraient intéressés à participer à un projet pilote pour la mise en place d'un vote par Internet de lors des élections générales municipales de 2025, <laughs> considérant que la ville de Green Bay est intéressée à participer à ce projet pilote, euh, après toutes des considérations, il est proposé de signifier à l'élection Québec l'intérêt de la ville de Green à participer au projet pilote de vote par internet. pour les élections générales municipales de 2025, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lemay, appuyé par M. Gillard. Donc, c'est une intention seulement à, au DGEQ qu'on envoie. Puis, euh, sachez, pour les gens à la maison qui disent, bien là, si moi, je ne pourrais pas voter par Internet, que si jamais il y aura le vote par Internet, il y aura la possibilité de faire les deux, autant le vote en personne que le vote par Internet. Donc, pas d'inquiétude de cette façon-là. 6.2, demande de libération du fonds de garantie en biens pour le terme 2020-2021. M. Lacasse. Alors, en effet, considérant qu'un fonds de garantie de biens d'une valeur de 199 990, fut mise en place et que la Ville y a investi une cote-part de 43 282 Alors, euh, considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur AIG touchent la dite police et le dit fonds de garantie en biens ont été transférés et fermés par l'assureur, donc euh, c'est. Euh, c'est considérant également que la Ville demande que le, que le reliquant, excusez-moi, reliquant de 199 999 du dit fonds de garantie, eh bien, soit libéré. Alors, c'est euh, la proposition. Mais, oh, je continue, excusez-moi. Il, il est également proposé euh, d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement de, 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 de reliquats du, du dit fonds de garantie aux membres de regroupement. Agglomération groupe B dans les mêmes proportions que ceux-ci qui ont attribué lors de la constitution. Donc c'est un petit peu dur à comprendre parce que bon il y a plusieurs pages mais euh, j'en fais la proposition à la Mairesse. Merci beaucoup Monsieur Lacaze. Donc c'est pied par Monsieur Giard. 6.3, mandat d'externe pour le 160 rue Donison-Est. Monsieur Lemay. Merci, Madame la mairesse. Après ces des considérations, il est proposé de mandater la firme Dorion Leclerc Avocat pour entreprendre les recours judiciaires appropriés contre la société 9444-4171 Québec Inc., afin notamment d'obtenir une ordonnance de barricader les issues de l'ancienne station-service se trouvant au 160 rue Donison-Est. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lemay. S'appuyer par M. Lacasse, donc la station-service qu'on entend parler depuis quelques séances et qu'on a euh, quelques petits enjeux avec euh, le propriétaire qui n'habite pas au Québec. On vient tenter des procédures supplémentaires euh, pour euh, s'assurer de la sécurité des lieux. 6.4, autorisation de signature pour une servitude de passage. M. Lacasse. Alors, je me reprends. Considérant que la compagnie gazoduc Trans-Québec et Maritime Incorporée opère le poste de gaz naturel situé au 1270 Boulevard Industriel, considérant que celle-ci souhaite obtenir une servitude de passage pour accéder à l'arrière de cette propriété et d'y installer une plateforme granulaire, alors euh, il est proposé d'autoriser la signature d'un acte de servitude de passage sur le lot représenté le 1270 Boulevard Industriel et d'autoriser l'installation d'un ponceau et d'une plateforme granulaire. Le tout euh, aux frais de la compagnie Gazoduc Trans-Québec et Maritime Incorporé. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Riel. 6.5, renouvellement d'entente de présence policière. Monsieur Riel. Concernant que l'entente conclue entre la Ville et l'Église École Alpha Omega concernant l'encadrement des interventions policières en matière d'intimidation et de violence dans les écoles vient à échéance le 10 décembre 2023, je propose de renouveler l'entente conclue avec l'Église École Alpha-Oméga pour un terme additionnel de cinq ans concernant l'encadrement des interventions policières en matière d'intimidation et de violence dans les écoles. Merci beaucoup. S'appuie par Mme Rose 6.6, adhésion au mandat de l'UMQ pour la chair de différents produits chimiques. M. Vincent. Merci, Mme Lamédès. Bonsoir à tous. Considérant que la Ville de Grimé a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables, considérant que la Ville de Grimé désire participer à cet achat regroupé pour se procurer quatre produits dans les quantités nécessaires de, pour ses activités, il est ici de confirmer. L'adhésion de la ville de Granby à ce regroupement d'achats gérés par l'Union des municipalités du Québec pour deux ans, la ville de Granby estime une dépense de 1.633 800 000 taxe incluses pour les deux ans, afin de combler ses besoins à l'égard des quatre différents produits chimiques. J'en fais la proposition, Madame la Merci beaucoup, M. Vincent. C'est appuyé par M. Dionne. Maintenant, le 6.7 adhésion au mandat du centre d'acquisition gouvernementale. M. Vincent. Monsieur, madame Mme Leberès, considérant que la Ville de Grenby fournit des services de maintenance et d'entretien des équipements réseau à la MRC de la Haute Yamaska, considérant la soumission reçue d'ITI Inc. en date du 14 juin 2023, il est ici d'adhérer au regroupement d'achat pour l'acquisition d'un commutateur et de produits réseaux du centre d'acquisition gouvernementale, et de s'engager à s'approvisionner auprès des fournisseurs retenus de pour l'acquisition des commutateurs et produits réseaux, notamment ITI Inc., pour une dépense totale de 295 657,28 sous, taxe incluse, laquelle dépense sera entièrement remboursable par la Merci de la haute Yamaska. La haute Yamaska j'en fais une proposition. Merci beaucoup s'appuyer par monsieur Goulet 6.8 étude d'adjudication d'un contrat pour le mandat de service professionnel en ingénierie madame Baudin. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je propose ici d'adjuger le contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la réalisation d'études préparatoires ainsi que de plans et devis préliminaires pour la construction d'une nouvelle réserve de distribution d'eau potable à la centrale de traitement d'eau aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction des critères de qualité et de prix, soit les services EXP, pour un montant total taxe incluse de 335 255 dollars et Merci beaucoup, Mme Baudin, sapié par M. Dionne. 6.9, étude d'adjudication d'un contrat pour le remplacement de toiture. M. Vincent. Merci, Mme la mairesse. Il est ici d'agir le contrat pour le remplacement de la toiture des bassins du bâtiment de la Centrale des traitements d'eau et en option la réfection complète de la toiture du bassin numéro 9 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Gagné et roi Inc., pour un montant total, taxe inclue. De 619 511 et 74. J'en enfin, fais la proposition. Merci beaucoup. C'est par Mme Tremblay. Maintenant, 6.10. Maintenant, c'est pour un contrat pour le remplacement des mélangeurs. M. Vincent. Il est, il est ici d'adjuger le contrat pour le remplacement des mélangeurs de flocculation du plan 75 à la centrale de traitement des eaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit Groupe Mécano Inc., pour un montant total, taxe incluse, de 101 000. 51 et 52 sous. J'en fait la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Goulet. Maintenant, 6.11 concernant un contrat pour le remplacement des vannes de type guillotine. M. Goulet. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir à tous. Après étude des considérations, il est proposé d'adjuger le contrat pour le remplacement des vannes de type guillotine à la station d'épuration des eaux usées et en option deux vannes de type E supplémentaire au plus bas soumissionnaire conforme, soit Hydromec HP Inc., pour un montant total taxe incluse de 245 323 et 24 sous. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Goulet. S'appuyer par M. Giard, 6.12. Maintenant, concernant un contrat pour les travaux d'installation de nouvelles bornes de recharge, Madame Baudin. Oui, je propose d'adjuger le contrat pour les travaux d'installation de nouvelles bornes de recharge de 140 volts sur rue pour véhicules électriques au plus bas soumissionnaire conforme, c'est-à-dire Bertrand Stigui, pour un montant total, taxe incluse, de 335 <coughs> 727 S'appuyer par euh, M. Goulet, 6.13, concernant un contrat pour la réfection des voiries et réhabilitation de conduite d'eau potable. M. Dionne. Euh, oui, merci. Euh, je fais la proposition d'adjuger le contrat pour la réfection de voiries de la réhabilitation de conduite d'eau potable de la rue Robinson-Nord, entre les rues Cabana et Bourget-Ouest, incluant la place d'Artois. Donc, on parle d'une réfection en profondeur pour ceux qui, qui passent là souvent, et qui va inclure même un réaménagement de l'intersection avec euh, Bourget, qui, qui pour la rendre plus sécuritaire. On adjuge ce contrat-là au plus bas soumissionnaire conforme, soit Bertrand Ostiguy, pour un montant total taxe incluse de 1 365 903 Merci beaucoup, s'appuyé par M. Vincent. 6.14, concernant maintenant un contrat de prolongement des réseaux d'égouts et que Mme Tremblay. Oui, bonsoir à tous. Il s'agit d'adjuger le contrat pour le prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueduc sur la rue Simon-Sud entre les rues Fournier et Léon-Hermel au plus bas subministrationnaire conforme, soit Groupe à la Régence Infrastructure Inc pour un montant total taxe incluse de 424 000 J'en fais la proposition. S'appuyé par M. Riel. 6.5 maintenant concernant un contrat. 6.15. Je lis la bonne ligne, la, la bonne, la bonne, ça va bien aller. Donc, concernant le contrat pour la réfection de chaussée et ajout de piste multifonctionnelles, M. Dionne. Ça m'a juste donné le temps de zoomer ma, ma feuille parce qu'il n'y a pas juste ma voix qui a de la misère ce soir. Donc, merci. Je fais la proposition d'adjuger le contrat pour la réfection de chaussée et l'ajout d'une piste multifonctionnelle sur les rues Saint-Hubert, Boisvin et Lorde. Incluant, l incluant le parc mineur au plus bas soumissionnaire conforme, soit le groupe à la régence infrastructure, pour un montant total, taxe incluse, de 2 399 000. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Baudin. Maintenant, 6.16, concernant l'aménagement de mobilité active. M. Lemay. Merci, Madame la mairesse. Donc, après étude des considérations, il est proposé d'adjuger le contrat pour l'aménagement de mobilité active des rues Robitaille, Avery et du boulevard Robert, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Eurovia, Québec, Construction incorporée, pour un montant en total, taxes incluses, de 883 072,85 J'en fais la proposition. Merci beaucoup, s'appuyer par M. Goulet. Maintenant, qu'on 6.17 concernant les services professionnels en ingénierie, M. Lacasse. Beaucoup de citoyens vont être heureux, et moi de même. Mais ce n'est pas la mise en place. Hein, ce pas juste... la mise en place, mais c'est de conclure <laughs> le contrat pour les services professionnels en ingénierie concernant la conception, les plans de vie pour l'ajout de feux de circulation à l'intersection des rues Cowie et Georges-Croix, au plus bas soumissionnaire conforme soit le service EXP incorporé pour un montant total estimé, taxes incluses, de 119 545 et 26 sous. J'en fais la proposition. Mmh. Mmh. Merci beaucoup, Sapie, par Mme Tremblay. 6.18 concernant la fourniture de vêtements de travail. M. Vincent. Merci, Mme la mairesse. Il est ici de conclure le contrat pour la fourniture de vêtements de travail d'École Bleue pour une période de un an au plus bas soumissionnaire conforme, soit le magasin industriel Inc. pour un montant total estimé, taxe incluse de 98 087 et 93 sous. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Dionne. 6.19 concernant la fourniture et livraison de vestes par balles pour policiers. M. Riel. Je propose de conclure le contrat pour la fourniture et la livraison de vestes par balles pour les policiers pour l'année 2023, soit du 4 juillet 2023 au 31 décembre 2023, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Uniform Work Limité pour un montant total, taxes incluses, de 86 552 et 3 sous. C'est appuyé par M. Lemay. 6.20. Concernant le développement et mise à niveau du logiciel radar pour le service 911, M. Riel. Je propose de conclure un contrat pour le développement et la mise à jour à niveau du logiciel radar pour le service 911 dans le cadre du changement de l'information l'infrastructure de Bell 911 avec le logiciel Radar Inc. pour un montant total taxes incluses de 103 477 et 50 sous. C'est appuyé par M. Vincent. Maintenant, 6.21 pour un mandat de service professionnel pour la conception et la fourniture de décorations lumineuses hivernales. Mme Tremblay. Oui, il s'agit d'adjuger le contrat pour les services professionnels pour la conception et la fourniture de décorations lumineuses hivernales aux soumissionnaires conformes ayant tenu le meilleur pointage final en fonction des critères de qualité et de prix, soit le groupe Artea INC pour un montant total, taxes incluses, de 295 122,61 Sous, J en fais la proposition. Merci beaucoup, S'appuyer par M. Dionne. 6.22, annulation de l'appel d'offres concernant les taxibus. Madame Moreau. Alors, considérant qu'aucune soumission n'a été reçue, il s'agit d'annuler l'appel d'offres pour la fourniture de transport de taxibus et services de répartition et d'autoriser la division des approvisionnements à retourner en appel d'offres. J'en veux la proposition. Merci beaucoup, s'appuie par M. Vincent. Et là, je tiens à rassurer les gens à la maison. On travaille, euh, on va faire une, une entente temporaire du 1er au 30 août euh, pour ne pas manquer de taxibus, bien entendu. On va retourner en appel d'offres pour s'assurer euh, d'avoir d'autres soumissionnaires. Donc, euh, dès la prochaine séance publique, il pourra y avoir un, un prochain appel d'offres. Donc, on ne veut pas avoir de bris de service, bien entendu, parce qu'on sait que c'est un service qui est très utilisé par la population. Donc euh, 7.1 dépôt de la liste des comptes et salaires à payer, maître Desras. Oui, donc ce serait d'autoriser la liste des comptes à payer, des comptes et salaires à payer autorisée du 21 mai au 26 juin 2023 pour un total de 8 millions 461 et 96 euh, pour que ce montant soit déposé. On aurait besoin d'un appuyeur, un, un proposateur et un appuyeur. C'est proposé par M. Giard, appuyé par M. Goulet. 7.2 émission d'obligation. M. Giard. Oui, donc bonsoir à tous. Euh, écoutez, je, comme c'est une soirée spéciale, je suis vraiment content de voir autant d'élus et d'employés de, municipaux qui sont ici ce soir pour, pour M. Pinault. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Donc, merci d'être là. Merci aux ceux et à celles qui ont fait les démarches pour pouvoir rassembler tous ces gens-là aussi. Très bonne idée. Euh, donc, il s'agit simplement ici d'autoriser l'adoption de la résolution de concordance euh, de courte échéance et de prolongation. Je fais la proposition, Mme la maire. Merci beaucoup, s'appuyer par M. Lemé. 7.3 concernant le programme de subvention de transport adapté. Madame Rowe. Alors, considérant que, le transport considérant que pour le transport adapté, la ville de Granby prévoit contribuer en 2023 pour une somme de 356 463 considérant qu'en 2022, 45 690 déplacements ont été effectués par ce service et qu'il est prévu d'effectuer 57 113 déplacements en 2023. Considérant que la ville de Granbé est aussi éligible à une aide financière dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, laquelle vient compenser les pertes financières en revenus d'usagers, revenus publicitaires et subventions. Il s'agit d'adopter le plan de transport et de développement des services en transport adapté pour l'année 2023, tel que proposé par AMIBUS. Il s'agit de confirmer au ministère des Transports du Québec l'engagement de la ville de Granby de contribuer financièrement pour un minimum de 20 du budget de référence. <laughs> Il s'agit de demander au ministère des Transports du Québec une aide financière de base de 516 720 pour l'année 2023 dans le cadre du programme de subvention aux transports adaptés, volet 1. J'en fais la proposition. C'est proposé par Mme Rowe, appuyé par M. Goulet. Maintenant, 8.1, mouvement de main-d'oeuvre. M. Giard. Oui, il s'agit d'autoriser et de ratifier la liste des mouvements de main d'œuvre pour la période du 10 juin au 14 août 2023. Et euh, je souligne les départs à la retraite de Monsieur Robert Demers au poste, de police, euh, de, au, service de, au poste de policier au service de la police. Monsieur Demers prendra sa retraite après plus de 31 ans de service à la ville de Granby. De prendre acte de départ à la retraite de M. Denis Saint-Pierre au poste de préposé d'utilité générale à la division aquatique et sport du service des loisirs, de la culture et du développement social. M. Saint-Pierre prendra sa retraite après plus de 13 ans, euh, 13 ans de service à la Ville de Granby. Euh, de prendre acte de départ à la retraite de M. Patrice Fauché au poste de directeur du service des loisirs, de la culture et du développement social. M. Fauché prendra sa retraite après plus de 14 années de service à la Ville de Granby. Et j'arrive à, à M. Pinault que jamais j'aurais pensé annoncer ce, ce départ-là. Mais être celui qui l'annonce, je suis très honoré aussi. Parce que, bon, je n'étais pas là à ses débuts, je finissais mon secondaire. Mais au moins, je suis là à votre fin. C'est important. Donc, je vais faire officiellement, en bonne et forme, de prendre acte du départ à la retraite de M. Michel Pinault. Au poste de directeur général, M. Pinault prendra sa retraite après plus de 27 ans de service à la ville de Granbay. Donc, à toutes ces personnes et principalement à M. Pinault, un grand merci pour vos services à la ville de Granbay. C'était un honneur de travailler euh, avec vous, Monsieur Pinault, et durant ces dix euh, années euh, présentement de, de service. Et euh, on vous souhaite une belle retraite, ainsi qu'à tout le monde, Monsieur Fauché, Monsieur Saint-Pierre et M. Demers. Merci beaucoup pour vos services à la ville de Granbay. Donc, tous ceux qui, on sait, lorsque les gens nous quittent, il y a toujours des nominations qui suivent. Donc, euh, au poste de nomination, j'aimerais faire euh, la nomination de M. Frédéric Gemme, à titre de sergent au poste de service de police. Et également aussi d'Alexandre Marois, au poste de mécanicien de machinerie lourde au service des travaux publics. Ainsi que M. Jean-Philippe Michaud, lieutenant euh, au service de police. Donc, félicitations pour votre promotion. Et euh, merci beaucoup. Je vous passe la parole, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Girard. Donc, euh, c'est appuyé par M. Goulet. 8.2, autorisation de signature euh, d'une lettre d'entente, M. Riel. Je propose euh, de conclure une lettre d'entente avec la Fraternité des policiers de grimpe Inc., concernant la réorganisation du travail à la gendarmerie. Merci beaucoup. C'est appuyé par euh, M. Dion. Maintenant, euh, 9.1.1, les demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale. Monsieur Goulet. Euh, merci, Madame la mairesse. Euh, il est proposé euh, d'approuver les demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du CCU, le Comité Consultatif d'urbanisme. Le tout tel qu'il apparaît au plan et représentation graphique joint à chacune des demandes de permis, j'en fais la proposition, Madame la mairesse. Merci beaucoup, s'appuyer par M. Girard. Maintenant, 9.2, demande de modification au règlement de zonage pour le 316 rue Saint-Hubert. M. Goulet. Oui, j'y arrive. Pardon? Euh, après étude des considérations, il est proposé de refuser la demande de modification au règlement de zonage et au règlement de lotissement. Pour la propriété située au 316 rue Saint-Hubert, visant à autoriser les éléments euh, suivants, soit l'usage d'habitation multifamiliale R4+, des bâtiments de quatre étages au lieu de trois étages autorisés, 76 cases de stationnement au lieu de 84 cases requises, soit un ratio de 1,35 par logement, 69 mètres carrés par logement alors que la norme est de 95 mètres carrés par logement pour les bâtiments résidentiels pour lesquels toutes les cases de stationnement sont à l'intérieur du bâtiment principal également d'utiliser les pouvoirs prévus à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour les projets particuliers de construction de modification d'occupation euh, d'un immeuble afin d'y assujettir la propriété pour la réalisation de projets qui nécessitent un encadrement particulier Alors, donc ce qu'on dit c'est qu'on refuse le, la modification du zonage et on va procéder par ppc euh, pour s'assurer euh, que le projet euh, qui vous est présenté soit réalisé dans son, intégral dans son intégralité. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Goulet. Donc, c'est par euh, M. Dionne. Je, je vais le... juste faire l'appui, puis après, oui. je vais vous passer la parole, M. Lemay. Merci. Donc, c'est par M. Dion. Et maintenant, M. Lemay, vous demandez la parole. Vous Absolument. pouvez l'avoir. Absolument. Merci, Mme la mairesse. Donc, euh, point technique par rapport à cette euh, résolution-là, euh, c'est qu'on se fait beaucoup présenter de dossiers euh, où les logements sont des 3,5, des 4,5. Il y a extrêmement peu de 5,5 qui sont offerts. Euh, de mon point de vue, c'est une problématique. On a moins de 20 de 5,5 dans ce dossier-là. Nous avons plus tard des règlements qui euh, entérinent des projets qui n'ont même pas de 5,5. ,5. Donc, ce n'est même pas une question de choisir à la place des familles où ils doivent habiter. On ne peut présentement leur offrir de choix de par notre réglementation. Mon opinion serait que l'on devrait un jour statuer sur un pourcentage pour nos projets immobiliers sur le nombre de cinq et demi destinés idéalement à des familles. On peut pas faire de people zoning, mais la logique, ce serait d'avoir autre chose que des trois et demi, des quatre et demi à offrir dans notre ville. Donc, je voulais m'exprimer à ce sujet et je vais demander le vote ultérieurement pour euh, 13.3 et subséquent. Merci. Merci beaucoup, M. Lemay. M. Goulet, vous vouliez la parole? Oui, merci, Madame la mairesse, de l'opportunité. Euh, des dossiers de cette, de cette qualité-là, euh, il y en a très peu. Des, des dossiers ou des, des projets d'habitation où on retrouve une belle mixité qui répond à des besoins pour les différents groupes d'âge que ce soit des personnes seules que ce soit des, des familles euh, son emplacement aussi pour les gens qui connaissent bien le coin euh, au coin de euh, au coin de la rue saint-hubert et au coin de la rue euh, la fontaine euh, c'est un terrain qui est vacant depuis plusieurs années qui est à proximité de l'hôpital qui est à proximité des services qui est à proximité d'une école euh, c'est' euh, c'est un, un projet qui, pour être bien honnête avec vous, Outre mon, notre collègue pour la question du, du ratio du nombre de logements, c'est un projet qui nous emballe énormément euh, comme conseil euh, parce que c'est parce que un projet qui mise sur la, la qualité de vie. C'est un projet qui répond à plusieurs des enjeux que l'on s'est donné euh, comme objectif comme conseil municipal pour s'assurer que ce qui se construisait à Grimbay devrait miser davantage sur un milieu euh, qui, qui est bien adapté, qui est accessible. Il y a aussi toute la question de la mobilité euh, active parce que il y aura la piste euh, cyclable qui va passer tout près. Que, en, en, je respecte évidemment euh, l'opinion de mon collègue, mais je vous assure que ce projet-là, pour l'intérêt des grands biens, est un projet qui devrait aller de l'avant euh, parce qu'on a, a besoin de plus de projets de genre. Merci à vous, Madame la mairesse. Merci beaucoup, Monsieur Goulet. Puis effectivement, il y a quand même euh, des cinq et demi dans le projet. Donc, euh, on ne voulait pas empêcher un projet de levée. On est, on est quand même en ligne avec le point de M. Lemie qui mentionne qu'il devrait avoir plus de 5,5. Et demi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a mentionné à l'équipe euh, d'aménagement et de protection du territoire pour leur dire, lorsque vous parlez à des promoteurs, assurez-vous d'avoir plus de 5, 6,5 des endroits pour des familles. C'est ce qu'on a besoin. Mais on ne voulait pas empêcher des projets de cette nature-là où il y a déjà plusieurs 5,5 à proximité d'une école de service et tout euh, d'être en mesure. De se réaliser étant donné les besoins en logement. Donc, 9.3 demande d'aide à la relocalisation, M. Lacasse. Alors, euh, considérant le projet de relocalisation de l'entreprise SEP Métrologie Incorporée au 617 Rue saint sud donc d'accorder une aide à la relocalisation au montant de 50 000 à l'entreprise SEP Métrologie Incorporée, conditionnellement à ce que euh, L'entreprise s'engage à remettre à la Ville de Granby la totalité de l'aide financière reçue, advenant le défaut de celle-ci à maintenir pour une période de cinq ans euh, ses activités industrielles, permettant la conservation et la création d'emplois sur les territoires de la Ville de Granby. Alors, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. S'appuyer par M. Lemay. 9.4, lauréat des prix de reconnaissance en environnement, Mme Baudin. Oui, dans le cadre de la nomination des différents lauréats des prix de reconnaissance en environnement pour l'année 2023. Je propose d'accorder des prix totalisant un montant de 10 000 aux six personnes ou organismes retenus par le comité consultatif en environnement. Et donc l'identité et la valeur des bourses accordées seront dévoilées seulement lors de la remise des prix officiels qui aura lieu le 5 juillet prochain. Donc un petit peu de patience. Moi, je les connais, mais ce n'est pas pour tout de suite. On a eu des beaux projets, effectivement, donc dévoilés dans les prochains jours, proposés par Mme Baudin, appuyé par M. Goulet. Maintenant, 9.5 réception définitive pour l'aménagement paysager au coin des rues principales et Saint-Antoine-Sud. M. Dionne. Oui, je fais la proposition d'accepter la réception définitive pour les travaux d'aménagement paysager à l'intersection des rues principales et Saint-Antoine-Sud. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Riel. 10.1, adoption du plan de mobilité active. Monsieur Goulet. Oui, merci Madame la mairesse. Considérant que le plan de mobilité active 2.1 a été recommandé par le Comité d'aménagement et de protection du territoire, il est proposé d'adopter le plan de mobilité active 2.1, lequel est joint au sommaire numéro SIEMD-2023-056. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, s'appuyer par euh, Mme Baudin, comme mentionné tout à l'heure en début de séance. Euh, le tout est disponible sur le site euh, web de la ville de Grimby. Donc, vous pourrez voir ce qui s'en vient dans les prochaines années au niveau de la mobilité active. D'ailleurs, on avait eu une séance d'information il y a quelques semaines de cela pour présenter le tout aux citoyens et citoyennes. 10.2, autorisation de signature concernant une entente relative à des travaux municipaux. M. Goulet. Merci, Madame la Maire. Il est proposé de conclure l'entente relative à des travaux municipaux pour la construction du poste de pompage Irwin et l'augmentation de la capacité du poste de pompage Marcou, avec le promoteur, conformément aux plans et devis préparés par la firme Les Services Exp Inc, dont l'estimation du coût des travaux s'élève à 1 104 500 dollars taxe en sus. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est proposé par euh, M. Goulet, appuyé par euh, M. Giard. 10.3, autorisation de signature, entente d'une aide financière pour la construction d'une piste à rouleau pump track. M. Giard. Tout à fait. Vous avez tout dit. Donc, il s'agit <laughs> simplement de proposer l'adoption euh, du financement pour euh, la piste à rouleau pump track, euh, signature innovation de la Haute Yamaska, C vélos en 2023. Donc, j'en fais la proposition, Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Girard. Donc, c'est appuyé par M. Lemay, en fait, pour aller chercher une subvention au niveau de la MRC au Yamaska pour venir euh, aider à financer une partie euh, des plans euh, qui ont été faits pour euh, cette piste-là. 10.4, concernant une réception définitive des travaux de réaménagement du centre-ville, phase 1. M. Vincent. Merci, madame la mairesse. Il est ici d'accepter la réception définitive des travaux de réaménagement du centre-ville, phase 1 soit de la rue principale entre les rues Saint-Hubert et Guille. Je vais J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup, Sapié, par M. Dionne. 12.1, installation de clôture, lieu de tolérance, M. Goulet. Euh, merci, Mme la mairesse. En réponse à une question plus tôt ce soir de M. Wright, euh, il est proposé de décréter les travaux d'installation pour l'aménagement du lieu de tolérance situé sur la rue Coé et d'accorder un montant de 14 000 taxes incluses, pour la réalisation du projet. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup, s'appuyer par M. Girard. 12.2, activité spéciale, Grimby International, voiture ancienne. Madame Tremblay. Oui, cet événement est parmi les plus grands rassemblements de voitures en Amérique du Nord, considérant l'engagement important de bénévoles pour l'organisation de cet événement, considérant les retombées de cet événement pour la ville de Grimby et son rayonnement. Il s'agit… D'autoriser la tenue de l'événement international du 20 au 30 juillet 2023 au parc Daniel Johnson et d'autoriser la fourniture des services municipaux nécessaires à la présentation de la 40e édition de l'international de Gramby, et ce jusqu'au montant maximal de 35 000 J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Rowe. Maintenant, 12.3 concernant euh, l'activité spéciale 3e édition du défi Simon-Madame Rowe. Alors, il s'agit d'autoriser la tenue de la troisième édition du défi Simon d'épilepsie Montérégie dans le parc Daniel-Johnson le 6 juillet 2023, de 13h à 21h. Et il s'agit d'autoriser la fourniture des services municipaux nécessaires à la présentation de cette activité, et ce jusqu'au montant maximal de 600 À titre informatif, l'organisme euh, prépare L'activité d'arrivée des cyclistes est enroulée de Chicoutimi à Grenbee le 6 juillet dès 16 h Donc, Simon Thibault et son équipe de cyclistes pédaleront un total de 653 km pour les enfants et les familles qui doivent composer avec cette maladie. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Sapie, par Monsieur Lacaze. 12.4, concernant les championnats Banque nationale de Granby, M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Donc, après étude et considération, et considérant les retombées des championnats Banque nationale de Granby pour la vie et son rayonnement, il est proposé d'autoriser la présentation des championnats Banque nationale de Granby sur les terrains du tennis Saint-Luc du 16 au 23 juillet 2023, de 7 h à 23 h, d'autoriser la fourniture des services municipaux nécessaires à la présentation de cet événement, ainsi que que l'allocation de matériel autorisé est nécessaire sur présentation de pièces justificatives et ce, jusqu'au montant maximal de 30 000 J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Sapie, par M. Girard. 12.5 concernant le Festival international de la chanson et le stationnement du Palace. Mme Tremblay. Considérant les retombées du Festival international de la chanson de grimby pour la ville de grimby et son rayonnement étant le plus important festival de francophonie en Amérique du Nord, il s'agit d'autoriser la tenue de la 55e édition du Festival international de la chanson de Grimby du 10 au 20 août 2023 au Parc Daniel Johnson, à la place Julien-Amelin ainsi que dans le, dans le stationnement du Palace. Il s'agit d'accorder une aide financière pour la location du matériel autorisé nécessaire à l'installation et à la présentation de l'activité sur présentation de pièces justificatives, et ce jusqu'à un montant maximal de 19 000 et d'autoriser la fourniture des services municipaux nécessaires à la présentation de cet événement, et ce jusqu'au montant maximal de 28 000 J'en fais la proposition. Merci beaucoup C'est par madame Moreau et d'ailleurs euh, ça va débuter le tout avec euh, le premier festival country du festival de la chanson dans le stationnement du Palace donc vous êtes tous les bienvenus chapeau de cowboy inclus 12.6 activité spéciale concernant la 45e édition de l'international de soccer Jean-Yves Faneuf. monsieur Lemay. Merci, Madame la mairesse. Donc, euh, considérant le succès de cet événement sportif euh, et les retombées pour la communauté chaque année, après toutes les considérations, il est proposé d'autoriser l'utilisation des parcs jean yves Faneuf, Dubuc, Pas-de-Vin, Terry Fox, Daniel Johnson et du complexe sportif Artopex du 2 au 4 septembre 2023 pour la tenue de la 45e édition de l'international de soccer Jean-Yves Faneuf de Grenby et d'autoriser la fourniture de services municipaux nécessaires à la présentation de cet événement et ce jusqu'au montant maximal de 18 000 J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Merci beaucoup, c'est appuyé par M. Goulet. 12.7 concernant une demande d'accréditation, Madame Rowe. Alors, il s'agit de reconnaître l'organisme Parkinson Estrie comme organisme communautaire afin que celui-ci puisse bénéficier des privilèges de la politique reconnaissance pour les organismes de la ville de Granby. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Riel, 12.8, pour une demande d'accréditation. Encore une fois, M. Lemay. Merci, Madame la mairesse. Donc, après étude des considérations, il est proposé de reconnaître l'organisme Association de Hockey Jeunesse de Grenby comme organisme à but non lucratif, afin que celui-ci puisse bénéficier des privilèges de la politique reconnaissance pour les organismes de la Ville de Grenby. Je tiens à préciser que il y aura une, une suite à la politique sportive et que nous viendrons préciser la politique de reconnaissance des organismes dit sportifs à la Ville de Grenby. J'en fais la, la proposition. Merci beaucoup, M. Lemis. C'est appuyé par euh, votre collègue, M. Lacasse, qui vous accompagne dans la politique sportive. Donc, 12.9 pour une autre demande d'accréditation, Madame Roux. Alors, il s'agit de reconnaître l'organisme Association Féministe d'Éducation et d'Action sociale locale Grêmbé, donc l'AFEAS, comme organisme à but non lucratif afin que celui-ci puisse bénéficier des privilèges de la politique reconnaissance pour les organismes de la ville de Grêmbé. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Sapie, par M. Lacaze. 12.10 pour une demande d'aide financière. Madame Rowe. Alors, considérant les enjeux actuels en matière d'hébergement temporaire, il est proposé d'accorder une aide financière au montant de 927 à la maison d'hébergement pour personnes en difficulté. Le passant, pour le, pour le remboursement de frais administratifs des coûts de permis de construction, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, S'appuyer par M. Riel. 12.11, pour une demande d'aide financière, M. Girard. Oui, il s'agit, euh, considérant les valeurs d'inclusion, de participation sociale et d'autonomie prônées par la politique municipale des personnes aînées, d'accorder une aide financière au montant de 12 600 à l'organisme Société alzheimer Brown missisquoi haute yamaska pour la réalisation du projet « Bienveillance » de conclure une entente avec cet organisme visant à établir les modalités de versement de l'aide financière. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Merci. C'est par Mme Rowe. 12.12 pour une demande d'aide financière. Madame Tremblay. Considérant que l'un des objectifs de la, de la politique égalité est de sensibiliser la population aux avantages d'une culture d'égalité dans la vie, de la communauté. Il s'agit d'accorder une aide financière au montant de 3 359,80 à l'organisme Le Studio Le Point Rose sur présentation de pièces justificatives pour la réalisation du projet Égalité de promotion du rôle des femmes dans divers organismes venant en aide à la population de Grimbé. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Lacaze. 12.13 pour une demande d'aide financière, Mme Rose. Alors, considérant l'évolution des besoins observés chez les jeunes de la communauté, Considérant que la politique jeunesse a été adoptée en 2017 et que la et que le programme des stratégies jeunesse en milieu municipal permettrait sa mise à jour en 2024-2025, il est proposé de déposer une demande d'aide financière de 25 000 pour le programme de mise à jour de la politique jeunesse dans le cadre du programme des stratégies jeunesse en milieu municipal du secrétariat et de confirmer la participation de la ville au projet pour un montant équivalent à 20 de la somme demandée, soit 5 000 J'en fais la proposition. C'est appuyé par M. Vincent. Donc, 12.14 pour une demande d'adhésion à la communauté de pratique communauté nourricière. Mme Baudin. Oui, considérant la mise en œuvre prochaine du plan de développement d'une communauté nourricière à Granby, je propose d'adhérer à la communauté de pratique communauté nourricière de l'organisme Vivant-Ville afin d'accéder à des activités de mobilisation et à une banque d'heures d'accompagnement pour une somme de 2 000 Merci beaucoup s'appuyer par M. Goulet. Maintenant, on entend la partie réglementation. Donc ça va être Maître Desraspes qui va prendre le relais donc 13.1. Merci madame la mairesse. Donc euh, en 13.1, il s'agit d'un avis de motion euh, pour un projet de règlement modifiant le règlement sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'ajouter la localisation des bornes de recharge sur une rue sur des rues destinées euh, euh, des, des bornes de recharge sur rue, pardon, destinées aux véhicules électriques. Euh, il s'agit en fait de, de 14 bornes de recharge qui seront installées sur les rues La Fontaine, Souhaite, euh, Saint-Joseph, Racine et Victoria. Donc, il y aurait lieu ce soir pour un membre du conseil de déposer le projet de règlement et de donner l'avis de motion en vue d'adopter un tel règlement à une prochaine séance. Ça sera Mme Baudin, 13.2. Il s'agit d'un projet de règlement modifiant le règlement de tarification afin de modifier l'annexe A5 pour la division aquatique pour l'ajout de cours privés et de modifier l'annexe A6 intitulée services de police de manière à modifier la tarification pour la vérification d'antécédents judiciaires pour les chauffeurs de taxi et d'enlever les références au parc parcomètre. Donc il y aurait lieu ce soir madame la mairesse de, pour un membre du conseil de déposer le projet de règlement et de donner un avis de motion en vue d'adopter un tel règlement à une prochaine séance. Ça sera M. Riel, 13.3. Il s'agit également de donner un avis de motion et d'adopter un premier projet. Donc, un projet de règlement modifiant le règlement de zonage euh, ayant trois objets. Donc, un, dans le secteur situé au sud de la rue principale et à l'ouest de la rue Toulouse, d'autoriser les habitations multifamiliales R4, de 20 logements dans la zone commerciale FII. 10c. Le deuxième objet, dans le secteur à l'est des rues Toulouse et Évangéline, à l'ouest de la rue Robinson et de part et d'autre de la rue principale, d'autoriser les habitations multifamiliales R4. Plus, de revoir les normes d'implantation ainsi que les normes relatives au, nom, au nombre de cases de stationnement dans la zone commerciale FI14C. Et finalement, le troisième objet, dans le secteur situé au sud de la piste cyclable, la route des Changes, et à l'ouest de la route Jean-Lapierre, de changer la vocation de la, la zone résidentielle FG05R en zone industrielle. Donc, il y aurait lieu ce soir pour le Conseil de fixer l'Assemblée la, publique de consultation au 19 juillet 2023 à 18h30 qui tiendra ici même à l'Hôtel de Ville et d'adopter le premier projet de règlement étant entendu que le proposeur donne également un avis de motion en vue d'adopter un tel règlement à une prochaine séance. Également, je vous rappelle qu'une capsule vidéo expliquant ce projet euh, sera disponible à compter de ce samedi sur le site Internet de la Ville dans la section des avis publics sous la rubrique Assemblée publique de consultation. Donc, ça va être la même chose aussi pour les prochains règlements. Euh, je ne le remancerai pas à chaque fois, mais euh, la capsule vidéo va toujours être en ligne là, ce, ce samedi. Donc, euh, c'est proposé par M. Goulet, appuyé par M. Dion, et je laisse la parole à M. Lemay. Oui, madame, madame la mairesse, merci beaucoup. Donc, euh, encore une fois, pour Mais ces... qui vous demander le vote. Oui, je après, veux tu demander le, Parfait. Parfait. Alors, Alors, je demande le, le vote. Alors, je demande le vote. Parfait, merci. Donc, euh, demande de vote. <laughs> On revient à la procédure, tout va bien. Demande de vote de monsieur, pas d'enjeu, par monsieur Lemé. Donc, qui est pour la résolution euh, l'adoption du premier projet de règlement? Donc, euh, monsieur Vincent, monsieur Riel, monsieur Lacaze, monsieur Giard, monsieur Goulet, madame Rowe madame Tremblay, M. Dionne, Mme Baudin, qui est contre, M. Lemay. Et je peux vous laisser la parole à de M. Lemay. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, euh, encore une fois, ce n'est pas tant la qualité des projets. En fait, ce n'est pas du tout la qualité des projets qui sont euh, mis en cause. C'est vraiment la diversité, la variété des logements qui sont mis en place. Si on veut une diversité démographique, ce que présentement Grenpé n'a pas, avec les chiffres qui sont mis de l'avant. Si on veut une diversité démographique, il faut une diversité de types de logements Et ce n'est pas avec uniquement des trois et demi, des quatre et demi que nous allons pouvoir y parvenir. Donc, encore une fois, je tiens à réitérer, c'est pas du tout, du tout la qualité des projets qui nous sont présentés, que ce soit ici à 13.3 ou précédemment à 9.2. Ce n'est pas ça qui est mis en cause. Je pense que ces gens-là sont capables de présenter d'excellents projets avec d'autres paramètres, mais que la qualité resterait exactement la même, mais c'est vraiment un désir d'offrir aux familles de Grenby, aux citoyens de Grenby et aux futurs citoyens de Grenby une diversité de types de logements dans la ville. Merci madame la mairesse. Merci beaucoup monsieur Lemay. Donc on va continuer avec le 13.4. Donc en 13.4, il s'agit d'adopter un premier projet de résolution euh, pour un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble un PP c'est plus précisément, de permettre l'usage d'émondage, abattage et élagage d'arbres pour ce projet particulier situé au 14 e rang ouest, donc à l'ouest de la rue d'Offren et au sud du boulevard de la mairie. La demande vise également à permettre une aire d'entreposage extérieure de 148 mètres carrés, soit 3,8 de la superficie du terrain. Donc, il y aurait lieu ce soir pour le Conseil de fixer l'Assemblée publique de consultation au 19 juillet 2023 à 18h30 ici-même à l'hôtel de ville et d'adopter le premier projet de résolution. Je vous rappelle qu'il va y avoir une capsule vidéo qui va être disponible ce samedi. Merci beaucoup. Donc c'est proposé par Monsieur Vincent, appuyé par M. Lacasse 13.5. Donc en 13.5 il s'agit d'un projet de règlement modifiant le règlement de zonage ayant cinq euh, neuf objets, pardon. Donc, le premier, de préciser que les terrains ayant fait l'objet d'une dérogation mineure peuvent se prévaloir des dispositions exceptionnelles concernant la diminution de certaines marges et normes d'implantation prévues à l'article 38 du règlement. Deuxième objet, d'agrandir la zone résidentielle FI. 13R, en même une partie de la zone commerciale FH08C, dans le secteur situé au nord de la piste cyclable La Route des Champs, au sud de la rue principale et entre les rues Martin et Simon Sud. Troisième objet de, de créer la zone publique J1, euh, JI09P à même une partie de la zone publique JI07P, secteur situé au nord-est de la rue Simon-Sud, à l'est de la rue Le Corbusier et à l'ouest des rues Gilles Cadorette et Montée des Seigneurs, plus précisément sur le terrain de l'école secondaire J.H. Leclerc, avec l'usage principal et secondaire de terrains de jeu et de parc pour l'aménagement du futur plan Chaudron, donc le skate park. En quatrième objet, on a d'agrandir la zone résidentielle HK01R à même une partie de la zone résidentielle HL02R dans le secteur situé au nord de la rue Glen, au sud de la rue Denison S et de part et d'autre des rues Mountain, Kent, Bradford et, v et Viti, afin d'inclure la propriété située au 5 rue Payne à la zone HK01R. Pardon. Cinquième objet d'agrandir la zone résidentielle DE06R à même la, une partie de la zone commerciale EE05C dans le secteur situé au nord de la rue Danville, de Danville au sud de la rue de la Colle et de part et d'autre de la rue principale, afin d'inclure la propriété située au 15 19 à 15 23 rue principale à la zone de 06r et d'ajouter à cette zone résidentielle les classes d'usage d'habitation bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale avec un maximum de six logements. sixième objet, d'agrandir la zone résidentielle jj 01r à même une partie de la zone résidentielle jj 12r dans le secteur situé au nord et à l'ouest de la rue normandie, à l'est de la rue saint-charles-sud et au sud de la rue archambault afin de faire concorder les limites de, ces limites de ces zones avec les limites des propriétés. Septième objet, de rectifier le tracé d'un cours d'eau dans le secteur de la rue Fontaine. Huitième objet, d'ajouter des milieux humides dans le secteur situé à l'ouest de la rue Jean-Lapierre et au sud de la rue des Peupliers ainsi que dans le secteur situé dans la, sur le, entre la rue Bernard et la rue du Luxembourg. Et finalement, neuvième objet, d'autoriser les habitations multifamiliales de six logements et modifier la marge avant, à 25 mètres dans la zone résidentielle JJ03R, dans le secteur situé au nord-ouest de la rue euh, de Bretagne, à l'est de la rue Saint-Charles-Sud et au sud de la rue Simon-Sud. Donc, ce soir, il y aurait lieu pour le Conseil de déposer le compte-rendu de l'Assemblée publique de consultation qui s'est tenue le 21 juin dernier et d'adopter le second projet de règlement, et ce, sans modification. C'est proposé par Mme Rowe, appuyé par M. Lemay, 13.6. Donc, euh 13.6, il s'agit d'un projet de règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone résidentielle EH06R à même une partie de la zone commerciale EH02C et de préciser les dispositions applicables au projet d'ensemble de la zone EH06R, notamment quant aux usages autorisés, aux normes d'implantation et aux types de toiture autorisés, les stationnements, allées de circulation, aménagements, paysagers et arts de vie communes, le tout dans le même secteur à l'ouest de la rue Jean-Lapierre et du boulevard David-Bouchard-Nord. Donc, ce soir, il y aurait lieu pour le Conseil de, dé de déposer le compte-rendu de l'Assemblée publique de consultation qui s'est tenue le 28 juin dernier et d'adopter le, de le second projet de règlement et ce, sans modification. C'est proposé par M. Lacaze, appuyé par M. Girard. 13.7. Donc, il s'agit d'un projet de résolution à adopter pour euh, un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, un PPC-MOI, plus précisément pour accorder un certificat d'autorisation de changement d'usage dans le cadre du règlement sur les, les, les projets particuliers, les PPC-MOI, pour la propriété située au 520, 521 rue Robinson-Sud, afin d'autoriser l'usage de maisons de chambre avec un total de 18 chambres et de régulariser euh, l'aire de stationnement en cours avant qu'il Représente jusqu'à 50 de la cour avant, alors que la norme maximale est de 30 Donc, il y a lieu pour le Conseil ce soir de déposer le compte-rendu de l'Assemblée publique de consultation qui s'est tenu le 21 juin dernier et d'adopter le second projet sans modification. C'est proposé par Mme Tremblay, appuyé par M. Dionne, 13.8. Pardon. Donc, il s'agit d'un projet de résolution à adopter pour un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation euh, d'un immeuble, un PPC-moi, plus précisément pour accorder un permis de construction pour permettre l'agrandissement du bâtiment dédié au au département de carrosserie d'une superficie d'environ 250 m sur la propriété du Grand Toyota, situé au 6 rue Irwin. Donc pour ce soir, il y aurait lieu de, de, pour le Conseil de déposer le compte-rendu de l'Assemblée publique de consultation qui s'est tenue le 21 juin dernier et d'adopter le second projet de résolution sans modification. C'est proposé par M. Vincent, appuyé par M. Riel 13.9. Il s'agit toujours d'un projet de résolution à adopter pour un PPC-moi, donc euh, plus précisément pour accorder une autorisation pour l'usage d'habitations multifamiliales et permettre l'agrandissement de l'immeuble actuel avec l'ajout de trois logements pour un total de six logements, le tout sous la sur la propriété du 330 rue Saint-Charles-Sud. Donc il y a lieu pour le Conseil ce soir de déposer le compte-rendu de l'Assemblée publique de consultation. Qui s'est tenue le 21 juin dernier, et d'adopter le second projet de résolution sans modification. C'est proposé par Mme Baudin, appuyé par M. Dionne. 13.10. Toujours un PPC, moi. Donc, euh, un projet de résolution euh, pour accorder une, euh, une autorisation pour l'usage d'habitation multifamiliale et permettre le changement d'usage du bâtiment existant en un maximum de 12 logements sur la propriété située au 215 rue Cour. Donc, il y a lieu pour le conseil ce soir de, de, de déposer le compte-rendu de l'Assemblée publique de consultation qui s'est tenu le 21 juin de, dernier et d'adopter le second projet de résolution sans modification. C'est proposé par M. Goulet, appuyé par M. Girard. 13.11. Toujours un PPC moi, donc un projet de résolution pour accorder euh, un certificat d'autorisation pour changement d'usage afin de permettre sur la propriété du 375 Chemin-René le changement d'usage du bâtiment existant dont l'usage est actuellement protégé par des droits acquis pour l'entreposage de matériaux de construction à des fins commerciales d'une superficie d'environ mètres, 1210 m mètres pour un entreposage à des fins personnelles. Donc il y a lieu pour le Conseil ce soir de déposer le compte-rendu de l'Assemblée publique de de consultation qui s'est tenue le 21 juin dernier et d'adopter le projet de résolution, le deuxième projet de résolution, et ce, sans modification. C'est proposé par M. Lacasse, appuyé par Mme Rowe. 13.12. Il s'agit d'un projet de règlement modifiant le règlement de construction afin de préciser que tout balcon peut être remplacé par une place extérieure. Euh, s'il a été par ailleurs construit ou transformé conformément à la réglementation municipale. Donc, il y a lieu pour le conseil ce soir de déposer le, le compte rendu de l'Assemblée publique de consultation qui s'est tenue le 21 juin dernier à 18h30 et d'adopter le, euh, le présent règlement sans modification. C'est proposé par Mme Tremblay, appuyé par M. Lacaze. 13.13. Il s'agit d'adopter un projet de règlement concernant euh, décrétant les limites de vitesse maximales permises afin de réduire la vitesse à 50 km/h sur la rue georges cro entre la rue Cowie et le boulevard industriel et d'entamer la phase 1 du projet de diminution de vitesse à 40 km/h dans les rues locales de la ville. La première phase, phase vise les rues locales, les rues locales qui sont situées entre les rues principales Drummond et le boulevard David Bouchard Nord, donc le triangle vert qui apparaît à l'écran, <laughs> qui devait apparaître à l'écran. <laughs> donc, il y a lieu pour le conseil ce soir d'adopter ce, euh, ce règlement. Tout va bien. L'information les, les, <laughs> sera disponible sur le site Internet de la ville. Euh, donc, c'est proposé par Mme Roux, appuyé par M. Riel 13.14. Donc, en 13.14, il s'agit d'adopter un projet de règlement modifiant le règlement général afin d'autoriser les chiens dans un parc lors de certains événements autorisés par le conseil municipal. Donc, il y a lieu pour le conseil ce soir d'adopter le règlement. C'est proposé par euh, M. Girard, appuyé par M. Lacaze. Donc, on arrive maintenant aux affaires nouvelles. On avait deux euh, affaires nouvelles. Donc, 14.1, demande d'autorisation particulière autonome Grêmby. M. Girard. Oui, considérant que l'autodrome Grambé a déposé une demande d'autorisation particulière afin de prolonger les heures de course jusqu'à 23 heures pour la soirée du mardi 25 juillet, et encore depuis remis au jeudi 27 juillet, considérant que la demande d'autorisation particulière vise à tenir un événement spécial dans le cadre d'une série importante américaine des voitures modifiées gros bloc, donc d'accepter la présente demande pour l'événement du mardi 25 juillet prochain soit de permettre de prolonger l'orage jusqu'à 23 heures en cas de pluie remis au jeudi 27, aux mêmes conditions. Donc, je donne un avis de motion en vue d'adapter un projet de règlement lors d'une prochaine séance et de déposer ce soir ce projet de règlement. J'ai fait la proposition, Mme la mairesse. C'est appuyé par euh, M. Dionne. Maintenant, le 14.2, concernant l'acte de donation euh, d'un immeuble. Monsieur Lacaze. Alors, euh, 14.2, oui. Considérant la résolution 2023-05-04-03, confirmant l'engagement de la Ville de Granby à l'égard du projet de l'office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville de 90 unités de logements sociaux et abordables sur la rue Simon-Sud, donc, face au poste de police d'autoriser la donation de l'immeuble situé sur la rue Simon-Sud, l'office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville, d'accepter que cette donation se fasse aux principales conditions suivantes. La donation est consentie à titre purement gratuit et sans aucune charge pour le donateur autre que celle de construire un bâtiment sur l'immeuble la donation est consentie avec une garantie équivalente à la garantie légale prévue au Code civil du Québec, à savoir quant aux droits de propriété et la qualité. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lacasse, appuyé par M. Riel. Donc, c'était vraiment une technicalité administrative pour dire qui devait signer les documents. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là qu'on devait envoyer à la SHQ. Donc, c'est maintenant rendu. On est encore dans les affaires nouvelles. Euh, on va euh, y aller avec euh, les capsules des différents membres du conseil. Donc, on va débuter par Mme Baudin. Oui, donc je m'y prends à l'avance pour vous inviter à l'événement ⁇ Merveille nocturne ⁇ qui se tiendra le 12 août prochain au Centre d'interprétation de la nature. Il s'agit d'une soirée spéciale pour assister aux Perséides, l'un des plus beaux spectacles astronomiques du mois d'août. Ce sera aussi l'occasion d'en apprendre plus sur les chauves-souris. Il y aura trois activités durant cette soirée. À 19h30, le chiroptologue Victor Grivenier-Dumoulin animera un atelier sur les chauves-souris. Rappelons que ces mammifères sont inoffensifs et qu'ils jouent un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes et surtout dans la gestion des insectes, notamment nuisibles. Environ 70% des chauves-souris sont insectivores. Insectivores, oui, tandis que les autres sont frugivores. Certaines espèces participent même à la pollinisation. À 20h15, Charles Desjardins, du club des astronomes amateurs de Sherbrooke, vous entretiendra des perséides. Chaque année, la Terre passe tout près de l'orbite de la comète. Attachez-vous, 109P Swift Total, dont le sillage est jonché de milliards de poussières. Ce sont ces particules qui nous offrent la pluie de météores des perséides lorsqu'elles entrent dans l'atmosphère terrestre. Et pour terminer, de 21h à 23h, ce sera l'heure de l'observation à l'extérieur, à l'œil nu ou au télescope. Vous pourrez également utiliser un détecteur de chauve-souris lors d'une randonnée. Pour vous inscrire, consultez le site web du centre. Donc, bon été à toutes et à tous. Profitez bien de notre belle région ainsi que des nombreuses activités qui y sont prévues. Merci. Merci beaucoup, Madame Baudin. Donc, je laisserai maintenant la parole à Madame Tremblay. Petite rubrique culturelle. Euh, je voudrais remercier les gens. On est déjà rendu à plus de 50 personnes qui se sont euh, qui se sont inscrits pour les jardins fleuris, <coughs> consultez le site de la ville pour vous inscrire. Puis on a jusqu'au 19 juillet, fait que gênez-vous pas, inscrivez-vous, c'est tu beau des jardins fleuris, puis des belles résidences. Donc ça c'est un gros merci pour ça. Je vous encourage encore à écouter la radio, ma TV, tous les journaux locaux. Ces choses-là, c'est là, là qu'on va chercher notre information et je reviens avec mon je vous informe. C'est vrai, je l'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le 9 juillet, l'harmonie de Grimbay, qui ils nous ont fait deux beaux spectacles dernièrement. Là, ils vont être au Parc Victoria, donc le dimanche des Parcs Victoria, et ensuite de ça, à la place Jean-Lapierre. Il y a un paquet de choses dans. Dans le grimé, vous informe. Puis, en suite de ça, il va y avoir couleur urbaine aussi. Et cette année, l'artiste qui va être chez Boréar, c'est Madame Michel Kramer. Donc, ne manquez pas ça. Et le 11 juillet, croyez-le ou non, je vais être sage comme une image. Et je vais écouter l'orchestre métropolitain le 11 juillet au parc Daniel Johnson. Fait, au plaisir de vous rencontrer. Et je termine maintenant. En vous souhaitant un bon été, des belles vacances, la santé, et je fais un petit rappel. Vous savez qu'à la piscine, là, depuis dimanche le 25 juin, ceux qui ont chaud, gratuitement dans nos bassins extérieurs, le centre aquatique est ouvert tous les jours de midi à 17h à 19h30 et à la piscine Horner, la même chose, sauf que c'est 5h30-17h30 et ça c'est gratuitement pour les citoyens. Donc bonnes vacances, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tremblay. On va continuer avec Monsieur Gillard Oui, donc c'est sûr, ma capture va être un petit peu moins informative que Mme Baudin, mais quand même tout aussi intéressante, je l'espère. Et euh, donc ici, il s'agit de euh, capture de ressources humaines. Donc les postes affichés, euh, on a présentement un poste de contremaîtresse et contremaître aux égouts et à Caduc. Donc l'affichage se termine le 12 juillet. Contre et contre-maître Voirie, Parc et Terrain de Jeu, le poste est également affiché jusqu'au 12 juillet. Directrice ou directeur des travaux publics, le poste est affiché jusqu'au 16 juillet. Policiers et policières, c'est toujours la banque de candidature, donc jusqu'au 31 décembre 2024. Secrétaire Affaires du Conseil, l'affichage se termine le 22 juillet. Agents et agentes de secrétariat juridique contentieux. Euh, le poste est affiché jusqu'au 22 juillet également. Tous ces postes sont des postes permanents temps plein. Et il y a un poste temporaire temps plein préposé euh, d'utilité générale dont l'affichage se termine le 16 juillet 2023. Donc euh, pour postuler, vous devez afficher. Je regarde la directrice de ressources humaines qui me regarde avec attention dans la salle, voir dire les choses comme il faut. Donc vous pouvez postuler euh, en ligne sur le site euh, de la ville de Granby. Donc merci. Merci beaucoup, M. Giard. Puis il y a peut-être des, des retraités qui seraient intéressés par certains postes. Donc, <laughs> on va continuer avec euh, M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Euh, oui, j'aime bien la dernière ligne. Euh, donc, écoutez, euh, j'en profite pour saluer plusieurs personnes ce soir. Je vais commencer par me, le, le jeune homme Philippe, Jac Philippe Jacob, qu'on a, qu a eu la chance de rencontrer aujourd'hui lors d'une remise de bourse, Mme la mairesse et moi, champion canadien U23 au niveau du cyclisme sur route et vice-champion au classement général. Jeune homme fort sympathique, bel athlète, peut-être même des chances d'aller aux Olympiques, qui sait? Donc, euh, définitivement, un jeune homme à suivre. Je tiens à féliciter les Indiennes seniors de B dirigées par Ben guerrierpi qui ont gagné euh, la classique Patrick O'Neill la semaine passée. Cette fin de semaine, Tournoi de soccer amical des policiers de Green qui aura lieu. Je tiens à souligner que les arbitres vont être extrêmement respectés et protégés. Tout va bien se passer, personne ne va chialer. Euh, vous n'êtes pas sûr, M. Gillard, vous avez plus d'expérience que moi. On ne pointera pas personne dans la salle. C'est une <laughs> activité qui se fait au profit de la Fondation Seri de la Fondation Jean-Yves Faneuf, de SOS Dépannage et du groupe Scout, Georges Pépin. Et je tiens à saluer personnellement euh, mon ami président de baseball minor Grenby David Bergeron qui a passé les deux dernières fins de semaine euh, le premier le matin et le dernier euh, première ville le matin dernier à partir pour deux très belles fins de semaine de baseball chaudes mais très belles où la ville de Grenby baseball minor Grenby ont accueilli 40 équipes de partout du Québec ce fut un beau succès salutations à tous les bénévoles à tous mes amis merci beaucoup merci beaucoup monsieur Lemay donc je laisserai maintenant la parole à monsieur Lacaze. Alors, euh, je ne veux surtout pas manquer de souligner euh, un article que j'ai vu dans le magazine euh, du circuit industriel, donc le MCI, le 26 juin 2023. Alors, Granby a connu un important boom industriel au cours des dix dernières années. Les, les investissements des entreprises manufacturières de Granby ont plus que doublé entre 2013 et 2022, atteignant un chiffre de 157 98 371 l'année dernière grand B compte 269 entreprises manufacturières, principalement actives dans l'aéronautique, euh, les véhicules spéciaux, la transformation alimentaire et l'ingénierie hydroélectrique. Ce qui fait véritable la force, véritablement la force de Gran B, c'est son attractivité pour les entreprises qui souhaitent avoir des fournisseurs locaux. La diversification industrielle de Granby a attiré des investisseurs importants, y compris des entreprises étrangères, telles qu'une entreprise de France qu'on est allé chercher, Millet Plastique, qui a investi plus de 27 millions de dollars dans son usine de Granby. Granby a investi massivement dans des infrastructures industrielles offrant environ 8 millions de pieds carrés de terrain, prêts à développer en 2015. Ça a fait un pouvoir d'attraction important. La disponibilité des terrains et bâtiments industriels n'est pas l'unique raison du développement impressionnant. Il faut souligner l'important travail de toute l'équipe de Granby Industriel. Granby Industriel joue un rôle clé dans le développement économique et industriel de la région, en offrant un accompagnement complexe aux entreprises intéressées à s'implanter en Granby, ainsi qu'en participant à des missions à l'étranger pour attirer euh, des investissements et recruter de la main-d'œuvre. Alors, félicitations, bravo, c'est une belle article. Donc, euh, encore une fois, je pense qu'on est des leaders au Québec, puis euh, on peut se féliciter et se serrer la main. Merci beaucoup, M. Lacasse. Effectivement, euh, on est très contents, euh, très fiers de grimbin Industriel euh, dans tout ce qu'ils ont fait dans les dernières années. Um, juste avant d'aller avec la deuxième période de questions. Je vois que personne ne l'a vraiment mentionné. Là, bon, on se le se rappellera, tout l'été, le Centre-Ville est animé. Euh, il va y avoir des euh, Montgolfières, des levées de Montgolfières. Il va y avoir un parc de manège, euh, des spectacles. Euh, donc, euh, on a parlé du Festival Country, mais des spectacles euh, tous les jeudis, tout ça. Donc, on invite vraiment la population à venir euh, au Centre-Ville, profiter du nouveau Centre-Ville. Et ça va commencer ce samedi avec une la tech et un pâté disco à la Place Jean-Lapierre. Donc, euh, le tout euh, est gratuit et vous êtes tous invités à venir y participer. Donc, on va continuer avec la deuxième période de questions des citoyens et des citoyennes. Comme à l'habitude, vous nommez votre nom, votre district. Prise 2. Donc, euh, pour la suite de ma question, Bruno Saint-Amand, district 8, et propriétaire d'un terrain euh, aussi dans le district 8, terrain vacant. Tantôt, euh, je pensais à ça aussi, tu sais, point de vue du fameux 5 minutes. Euh, ce serait bien que ça soit pour que le citoyen s'exprime. J'ai laissé une filibuster tantôt. Je trouvais ça super cool. Ça vous donnait le temps de, de me répondre, mais ça pourrait être un juste milieu entre l'élu qui répond et le citoyen qui pose sa question. C'est un petit commentaire. Deuxième euh, partie. Tu sais, je vous disais tantôt, on avait euh, les élus. Vous avez la, la fameuse réglementation qui peut vous aider. Vous avez votre créativité. Je me demandais, est-ce que vous avez évalué dans Granby les différents terrains qui sont disponibles pour faire du développement immobilier, etc.? Euh, parce que je me disais, tu sais, on a nos gros îlots de chaleur, que ce soit nos fameux euh, stationnements. Qui sont au centre-ville, que ce soit notre plus gros îlot de chaleur, le fameux euh, centre commercial. Euh, centre commercial qui est un petit peu sur le respirateur artificiel. Hein. Quand qu on va se promener là, euh, ça ne marche pas trop fort fort, mais on a un stationnement des plus grands. Puis on change beaucoup de réglementations pour raser nos forêts qui sont de chaque côté de David Bouchard, de Pierre Laporte. Mais est-ce qu'on a pensé peut-être à s'asseoir avec Westcliff, qui fait de l'immobilier, qui fait du commercial, pour voir peut-être développer cet endroit-là? On peut parler de toit vert, on peut parler de plusieurs choses qui peuvent diminuer les lots de chaleur. Vous avez tout le pouvoir avec la réglementation d'obliger de la, de la, la plantation d'arbres. Euh, je me demande, est-ce que vous l'utilisez à plein escient, votre réglementation, ou pas? Parce que ce n'est pas avec les quelques projets que vous avez annoncé qu'on va régler notre crise du logement en passant de 0,1 à 2, à 3, à 0,4, à 0,5 dans les dix prochaines années. Donc, je me demandais, qu'est-ce que vous pensiez faire? Parce qu'on est très écologique. Il vous reste 3 minutes 23. Est-ce que vous voulez que je prenne les 3 minutes, M. Saint-Amand? Si oui, vous je vous laisse un droit de réponse par la suite. Donc, euh, comme j'ai mentionné, on a eu des belles consultations citoyennes au niveau du plan de densification. Je ne sais pas si vous étiez présents. En fait, les gens, les citoyens venaient, puis ils venaient discuter justement où ils voyaient la densification. Le centre d'achat a été évoqué, d'autres secteurs dans la ville, et on va arriver avec des secteurs où ils pourront être densifiés par les promoteurs. Au niveau des îlots de chaleur, bien, bien entendu, on y travaille. D'ailleurs, euh, il y a un super programme. Euh, au niveau du gouvernement, qui est le programme oasis qu'on peut mettre en place des actions qu'on va regarder. On a notre plan de conservation des milieux naturels également qui est en train d'être développé. Donc, euh, de, ce que je peux vous dire, peut-être que vous vous aimeriez qu'il y ait plus de logements. Si vous êtes promoteur immobilier, ça va nous faire plaisir. Si vous voulez construire des logements, et d'ailleurs, on invite l'ensemble des promoteurs immobiliers si ils ont des projets à venir les déposer. On travaille pour la mise en place de logements. La ville en construit, l'OMH en construit avec via l'OMH, et on travaille autant avec des coop, des promoteurs privés. Donc, ça nous fait toujours plaisir si vous avez un beau projet sur votre terrain vacant dont vous parlez. Donc, ça peut être une belle idée. Euh, c'est un duplex-triplex possiblement on parle d'une crise du logement donc c'est pour ça que je vous parle de Westcliff et des endroits où ce qu'on a plusieurs pieds carrés de terrain inutilisés on notamment a fait la... les stationnements fait... est-ce que vous êtes assis en... oui. avec Westcliff en tant que conseil pour euh, regarder ce qui ce qui prévoirait faire avec ça bon on a des discussions avec Westcliff oui. fait que tu des projets pour notre ville qui vont se densifier Bien, pas pour l'instant, ça reste à un... okay. quelqu'un qui est privé on peut okay. pas l'obliger ben non, à mettre à des logements sur son terrain. Puis la et réglementation, réglementation est-ce qu'elle leur permet de pouvoir développer ou s'il faut qu'ils s'assoient pour voir pour la réglementation? Parce que tu sais, ça se dézone, on peut faire des changements pour aider à ça. Parce qu'on parle de faire ben, un développement compris. commercial sur David Bouchard, mm -hmm. que, au niveau de. Tu sais, le, 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 le gouvernement, c'était n'était pas certain, on voulait protéger le territoire agricole. Donc, est-ce qu'on va faire un nouveau. Développement commercial avant même de gérer ceux qui existent déjà qu'on pourrait peut-être transformer pour créer du logement. Parce que pas moi avec mon petit duplex qui va changer la situation de la ville, Madame la mairesse. Ben en fait euh, au niveau de Westcliff, puisque vous le nommez, on travaille, on collabore avec eux, on regarde pour voir s'il y a des projets qui peuvent lever, mais en même temps ça reste. Euh, une entreprise privée, ils ont le droit d'accepter ou pas. Ce que je peux vous rassurer, c'est que tous les territoires agricoles ne seront pas développés. Donc, on reste dans le périmètre urbain de développement. Et euh, peut-être que vous trouvez que ce n'est pas assez ce qu'on a nommé comme logement ce soir. Il y a d'autres projets qui s'en viennent. Et s'il si y a des promoteurs qui souhaitent continuer à développer, on est toujours ouvert. Puis on a des beaux projets qui s'en viennent aussi. L'autre côté, euh, de la 139 et de la 112, donc euh, des beaux projets densifiés qui seront à proximité du parc industriel. Il y aura du transport en commun et à proximité des commerces. Donc, on est très content de ce qui s'en vient à Grimby. Euh, on travaille avec nos différents promoteurs pour mettre le tout en place. Dans les 20 secondes qui me restent, je vais vous suggérer d'aller voir le projet que ça avec le centre commercial Fleur-de-Lys à Québec. 1,5 milliard d'investissements, 3500 appartements, un hôtel, etc. On a changé la réglementation, on a permis à notre citoyen corporatif de développer. Donc, vous irez voir ça. C'était dans le Journal de Montréal il y a dix jours. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. On va aller voir ça. Puis, sachez qu'on travaille, comme j'ai mentionné, avec le plan de densification et tous les outils, dont le PPU qui est là, à mettre en place les outils urbanistiques afin de répondre euh, aux besoins du milieu et aux besoins de nos citoyens et citoyennes. Oui. Bonsoir. Rebonsoir à vous tous. Euh, J'ai des petites questions au niveau de la, de la soirée, mais entre autres, je voulais juste en chérir sur Madame Tremblay en disant que, dans le moment, pour les couleurs urbaines, on a une, il y a un artiste qui est en train de faire la murale entre le bureau de poste et euh, le, le, le centre culturel puis, euh, France, euh, pas France. Oui, c'est ça. France mm -hmm. Alors, euh, c'est ce intéressant de, de, le voir, de voir la. la L'artiste travailler. Effectivement, ça va être magnifique, puis c'est dans le cadre du 25e anniversaire de en couleur plus, urbaine. En plus. Euh, J'ai des petites choses à, à, à. Je voudrais aussi remercier M. Euh, Pinault pour toutes ces belles années qu'il a travaillé pour nous et pour nous, pour le Conseil, mais aussi pour la ville, pour les, les citoyens. Euh, J'ai eu affaire à, à le rencontrer quelques fois et c'est toujours été un plaisir. Euh, euh, au point 5.3, J'aimerais savoir j'aimerais comprendre l'affaire la, 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 de trans, du transfert d'unité d'habitation. Il transfèrent pas de bâtisse à Gran en fait, c'est qu'à Waterloo, il y avait des maisonnettes, 28 maisonnettes euh, qui étaient, qui n'étaient plus habitées euh, parce qu'elles étaient rendues insalubres. Donc, euh, ces 28 maisonnettes là, dans le fond au niveau du gouvernement, ça reste encore 28 logements sociaux disponibles dans les comptes du gouvernement. Donc, comme euh, le taux de logements euh, sociaux est plus élevé à Waterloo considérant la population, la ville de Waterloo a accepté de dire, ben, gars, nous, on n'en aura plus besoin. Nous, la ville, ce qu'on vient de dire, ben, nous, on en aurait besoin étant donné qu'on a près de 700 personnes sur la liste d'attente au niveau des logements sociaux. Donc, on dit, bon, on va prendre ça parce que le gouvernement présentement développe seulement du logement abordable. Donc, on va prendre les logements sociaux qui vont passer. Donc, on vient déposer une demande au niveau de la Société d'habitation du Québec pour dire, ben, maintenant, ces 28 logements sociaux-là, on aimerait qu'ils soient affectés à la ville de grimby pour être en mesure de les construire avec l'OMH. Ah, OK. C'est euh, des montants d'argent pour les construire, construire, comme on dit. Oui, éventuellement. Bon, ça, on l'espère. Okay. Puis, euh, au point 6.3, point vous euh, parlez d'aller euh, faire une euh, intervention juridique au niveau de la, de la station d'essence sur la rue Denison, si j'ai je, 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 je bien compris. Là. Oui, point pour de être Denison en mesure éviter. de barricader euh, l'édifice. Oui. Moi, j'aurais été beaucoup plus loin. Euh, l'obliger de, de, de la démolition et la décontamination de ce terrain-là. Oui, c'est qu'on y va selon ce que les lois nous permettent de faire. Mais c'est quoi la loi d'abord? La loi, ce qu'elle nous permet présentement, c'est de dire qu'on peut l'obliger étant donné euh, que la bâtisse n'est euh, ah. pas, euh, comment je pourrais dire, elle est encore euh, solide d'une certaine manière, donc elle n'est pas propre à la démolition. Donc, tout ce qu'on peut l'obliger, c'est venir nous, de venir barricader le tout pour rendre le tout sécuritaire. Okay. Donc, la loi ne nous permet pas de dire on va aller jusqu'à la démolition pour cette bâtisse, à cette, cette étape-ci. Il me reste encore quelques petites secondes. Alors, euh, j'aimerais euh, aussi. Euh, j'ai eu affaire à faire des interventions, mais j'ai les ai, ai faites par courriel. Euh, C'est dans l'avant qu'on ne puisse pas. On n'a pas grand temps. On ne peut pas retaper pour savoir une réponse. Comme là, moi, j on a une, une interaction. C'est vraiment dommage parce que ces fois-là que j'ai dû envoyer un courriel, c'était parce que je ne pouvais vraiment pas me présenter ou arriver à temps pour les, les périodes de questions. Euh, je trouve ça navrant qu'on limite encore nos, euh, nos, les concitoyens qui veulent s'exprimer à cinq minutes. Je ne prendrai peut-être pas cinq minutes, je ne suis pas un gars qui est d'abord, qui est, euh, mais je trouve ça navrant qu'on... Qu pénalise ces, ces gens-là. Merci. Je comprends très bien, Monsieur Morin. En fait, on offre aux citoyens de venir parler pendant dix minutes. Et d'ailleurs, la période de questions au niveau du conseil municipal n'est pas le seul lieu où les citoyens peuvent s'adresser aux élus. Ils peuvent leur envoyer des courriels, ils peuvent les appeler au téléphone, ils peuvent venir les rencontrer. Donc, il y a différentes mesures lorsque des questions ou des commentaires ou des améliorations à faire qui peuvent être mis en place. Donc, la période de questions euh, en dix minutes dans une séance par citoyen. Euh, on, on considère que cela convient. Alors, bonjour. Claude Archambault, District 6. Euh, concernant la fluidité des, de la circulation, c'est une chose très importante, je pense, pour, euh, pour l'atmosphère, parce que plus que ça... Mettons, à partir du point A, à aller au point B, si vous dépensez 10 minutes au lieu de 5 minutes, je pense que ça pollue l'air beaucoup plus. Ça fait que j'aurais des félicitations à faire parce que dernièrement, j'ai réalisé que le coin de la rue Simon, Cowey, Simon et Saint-Jacques, les lumières sont synchronisées. Je crois que les yeux sont tombés sur la tête. Ça fait je sais pas combien d'années que je passe là. Puis tu partais d'une verte, là, puis tu arrivais l'autre, là, elle tombait rouge. Fait que ça, ça c'est On appelle ça de la fluidité. Mais. Puis, ça, c'est pour les, les compliments, là. Le, Merci qu'il soit dit le en passant et travaille pour aussi euh, d'autres euh, endroits dans la ville permettent la fluidité de la circulation. Ok. L'autre affaire, c'est que aussi je voudrais vous féliciter parce que je pense que le, le camping est fini à côté du pont Robinson. Là. Je sais pas à quel endroit vous les avez déménagés. En fait, ils sont derrière le cimetière Cowie, qui est un lieu de tolérance pour les personnes vivant en situation d'itinérance. On est à lieu OK, merci beaucoup. Euh, J'ai une autre question sur. Euh, J'ai déjà parlé de le Corbusier, l'entonnoir, le coin de rue entonnoir, le Corbusier avec la rue de denison ouest L'autre jour, je revenais de Cohansville. Il y avait un gros camion, mais c'était un gros camion. Hein, ça devait être un 53 au pied, un coup, pour moi sais pas s'il appelle ça. Hein. Le monsieur, il essayait de tourner. Il y avait des autos d'arrêtés. On était 15, 20 peut-être, parce que de Corbusier, ça ne passait pas. De ouest il était bloqué ces deux côtés. Et puis là, le monsieur, il travaillait fort parce qu'il est tourné. Il sortait de la Corbusier parce qu'il a tourné sur de ouest pour aller vers Montréal. Il s'est repris et repris et repris dessus le trottoir, sur la pelouse des voisins, la pelouse du Crift. Ça lui a pris beaucoup de temps. Que si vous calculez ça, j'allais peut-être me répondre que ce camion-là n'avait pas d'affaires là. Bien, effectivement, Bien, là, il n'y avait pas d'affaires là parce que la voie de passage est par Simons. J'ai une petite remarque pour vous, Madame, euh, Madame Bourdon. C'est que sur le camion, c'était marqué Couchetard. Puis, il y a un dépanneur Couchetard sur Gouin. Ça fait que, je ne sais pas quelle manière ils vont alimenter ce, ce magasin-là. Vous allez mettre une loi pour qu'il y ait des plus petits camions. Ça fait qu'en tout cas, si vous calculez ça, là, 15 autos. On a été au moins huit minutes arrêtés. Ça fait 120 minutes. Ça veut dire que c'est comme si un auto roulerait pendant deux heures de temps pour un rien, puis ça pollue l'air. Ça fait que là, deux, il me reste deux minutes. Euh, je vais vous parler de la. Au mois de décembre, l'année passée, Monsieur Dubé avait parlé de la transparence. Mais moi, personnellement, il m'a envoyé un courriel. Mon premier courriel, madame de Madame Tremblay. Si c'était filtré, elle m'avait dit non. Elle m'avait affirmé que c'était pas filtré. Mais j'en ai envoyé quatre. Ils ont été filtrés, ils ont été, ils ont été amputés, modifiés. Et puis ça, je peux vous le dire, là, ça a été fait. Ça fait. que je me demande où est la transparence en, deux, en 2023, parce qu'en 2022, M. Dubé, était plein de ça. Puis là, moi-même, je me plains de ça en 2023, la transparence. Oui, bien, en fait, je pense qu'on est resté juste dans le respect parce que l'essence même de votre courriel et de votre propos a bien été nommée, mais il y avait euh, quelques petits points qui étaient peut-être irrespectueux envers euh, certains, euh, certaines personnes. Donc c'est peut-être et euh, quelques, quelques petits mots qui ont été ôtés, mais l'essence même du courriel et la question était là. Il y avait un, il y avait un euh, courriel qui parlait question personnelle. Ça parlait d'une itinérante. Ça parlait pas de. Il y avait pas de nom là. Une itinérante. Et puis ah, ça, là, ça, ça je ne peux été pas le dire là, à ce moment-là. Mais normalement, on essaie de, de lire les courriels tels quels, à part s'il y a des propos euh, qui sont euh, irrespectueux. Probablement, je vais faire d'autres essais. Fait que... bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous souhaite de très belles vacances. Soyez prudents, parce qu'on veut vous revoir. Puis, moi, alors, je suis rendu, mais il me reste peut-être peut plus en arrière qu'en avant. Mais j'espère vous revoir. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Soyez prudents. Et puis vous faites du bon travail, vous acceptez les vieux qui chialent, mais des fois, les jeunes, ils ont de la misère s'exprimer, parce que vous avez dit l'autre jour, Mme Bourdon, que vous étiez en lien avec un propriétaire concernant la station de gaz à l'abandon sur la rue de Donesson-Est. Au début, de, vous dites que vous étiez en lien avec le propriétaire. À la fin de votre énoncé, nous tentons de joindre le propriétaire. Ça fait que J'essaie de mettre ça ensemble. C'est quoi la, la moyenne de ça? Là? On lui a parlé, on lui a dit bonjour. Euh... Non, c'est qu'on lui envoie des lettres commandées par des Ah oui, viciers. par après, là. ça c'est venu. Ça. Mais la première fois, j'avais répondu aux citoyens, vous lui avez dit, ah oui, ça je finis. Ben, merci beaucoup, puis bravo. Merci. Merci, bon été. <coughs> Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. bonsoir. Je vous vois rire. Et donc, j'ai trois points aussi à rajouter pour mon intervention de tout à l'heure. Oui, je suis d'accord avec l'intervention de monsieur la, la, la transparence manque beaucoup dans ce conseil municipal de Grimby. On a fait la remarque plusieurs fois et plusieurs citoyens qui ont fait la remarque. Aujourd'hui, je vais parler de trois points la disparition du patrimoine. Annie. De la ville de Granby, l'identité de Granby. Donc aujourd'hui, j'ai parlé avec le Conseil de patrimoine culturel du Québec, ministère ou sous-ministère et une direction régionale du patrimoine culture euh, patrimoine. Ils m'ont dit que l'église de Saint-Benoît, donc elle était déjà classée par la ville comme patrimoine inventorié. Donc vous avez déjà classé l'église Saint-Benoît, comme patrimoine inventorié. Hier, ou cette semaine-là, on vous a vu changer le nom de Saint-Benoît, Saint religieux, avec le nom d'un ex-politicien. Donc, est-ce que c'est de la politique politicienne C'est un, un nouveau maire, ou le prochain maire, ou la prochaine mairesse, s'il arrive aussi, il va changer le nom, et on va continuer à jouer dans ce, ce jeu-là donc, est-ce que vous voyez, Madame la mairesse, c'est comme un manque de, ou, de donner une image de non-confiance, parce que, selon M. Patnaud, je l'ai lu cette semaine-là, M. l'évêque, au moment où, euh, de, où Dieu euh, diocèse Dieu de Saint-Hyacinthe, Monseigneur François euh, Lapierre, qui a Didier, ce bâtiment-là avec un, juste un dollar pour la ville de Grimby. Donc, pour le payer, vous êtes en train de changer le nom de Saint-Benoît. Donc, est-ce que les gens qui ont de l'argent, par exemple, les gens qui veulent participer ou donner des dons des bâtiments ou de l'argent, vous les faites hein, réfléchir avant qu'il avance? parce que là, moi, je la vois, c'est comme une forme de trahison ou c'est comme, même comme un coup d'État, là. Donc, Saint-Benoît, c'est une sainte personne. Le remplacer avec un politicien, moi, je dis, est-ce que c'est la politique politicienne Et aussi, on parle de la séparation de l'État et l'Église, la laïcité. Donc, euh, Madame la mairesse, est-ce que vous êtes en train de dire aux gens qui veulent euh, faire des dons à la ville de Granby, faites attention on va vous le faire regretter. Non, mais ce que je pourrais rajouter, c'est que l'église Saint-Benoît demeure. L'église, c'est la partie avant qui était, trans qui sera transformée éventuellement, qui est la nef. Le centre communautaire Richard Goulet, c'est la partie arrière du presbytère. Donc, c'est maintenant le centre communautaire Richard Goulet qui s'appelait le centre communautaire Saint-Benoît. Donc, ça s'appelait pas l'église Saint-Benoît. Oh oui. L'église, c'est la partie avant. Donc, en l'honneur de M. Goulet, qui a été maire de 2005 à 2013 et euh, qui avait d'ailleurs euh, fait beaucoup pour le milieu communautaire et qui avait mis en place d'ailleurs ce centre communautaire-là. Donc, euh, oui, effectivement. Et pour ce qui est au niveau de l'achat. Euh, Ma question, madame, vous êtes, mes, mes 200, minutes, qu oui, oui, vous êtes en train de consommer mes minutes. Oui, juste... vous êtes en train de consommer mes minutes. C'est juste, est-ce que vous appelez les gens qu'ils viennent ben, investir ou de faire des dons? Euh, la prochaine question. C'est vous donnez à la Voix de l'est 100 000 dollars chaque année jusqu'à 2025. Donc, est-ce que vous pouvez demander à votre client qu'il fait une note quand il publie quelque chose pour faire la différence entre la publicité et leur art? propres articles. Parce qu'on fait pas la différence. La dernière fois, cette semaine, on lit des articles bah, qui vous lancent des fleurs, Madame la Maire, euh, je ne sais pas moi, et voilà. Donc, on fait pas la différence entre leurs propres articles et la publicité. Et aussi, on, euh, ils nous laissent le droit de lire juste trois articles. Ça veut dire on doit payer, on va faire un abonnement si on veut lire vos publicités. Donc, nous, le contribuable, on paye deux fois. Vous leur donnez 100 000 dollars pour la publicité et nous, pour regarder cette publicité, on doit payer encore. Avez-vous la gentillesse de demander à la Voix de l'Est, votre client, de réviser ça et au moins de noter pour faire la différence entre la publicité et leurs propres articles, ici on ne paye pas pour lire ces publicités. En fait, euh, on met de la publicité dans l'ensemble de nos médias parce qu'on croit à nos médias locaux. On croit que c'est un moyen d'information qui est efficace auprès de la population. Donc, ce qu'on vient mettre en place, c'est de la publicité pour informer les citoyens de ce qui se passe à la ville de grimby Par exemple, ouverture au niveau du centre aquatique ou des événements de la ville. Donc, c'est ce qui est mis en place. Si, euh, si vous croyez autre chose, ça vous appartient. Pour les lire, Madame, vos publicités. Fait, vos publicités. Lire, On doit payer pour un une deuxième fois? mais ben, c'est ça. Oui, merci. Ah, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par courriel? Il n'y a pas d'autres questions par courriel avant de lever l'assemblée. Euh, comme c'est la dernière assemblée de M. Pinault, on va <laughs> je vais, je vais lui laisser euh, je vais lui laisser le mot de la fin. Donc, euh, un petit peu de pression, mais euh, on, on vous laisse. Oui. Je, je le timer. Non. Allez-y, M. Pinault. Non, je vous rassure tous, je serai très bref. Euh, D'abord, Mme la mairesse, vous m'avez encore déjoué avec votre conseil et vos acolytes euh, de lille et Beauregard. Je parle évidemment de Marie-Claude lille et de Cédric Beauregard, qui est votre attaché politique. Je suis complètement euh, bouche bée. Vu, euh, je vois ce soir dans cette salle des gens. Vous m'avez fait remonter dans le temps tantôt en me présentant en je crois. Là. 96, avec la moustache, oui, Avec là. la moustache. Mais il n'y a pas seulement les photos qui m'ont ramené dans le temps, il y a les gens ici présents. Euh, évidemment, j'aurais un mot pour chacun d'entre vous, je ne le ferai pas, par économie de temps. <laughs> Mais par catégorie, je dois vous dire que je suis très heureux de voir des anciens élus, Mme Comeau, entre autres. Euh, et euh, tous les autres qui m'ont euh, ramené dans, dans un temps, pour certains, lointain, d'autres un petit peu moins. Alors, je suis très heureux de votre présence. Je vois aussi des anciens employés, dont entre autres, je me permets de la nommer, Suzanne, qui a été ma, mon adjointe administrative pendant plusieurs années, qui m'a connue à mes débuts euh, quand je suis arrivé <laughs> à la ville, et qui est à la retraite aujourd'hui, que, que, que je salue. Il y a d'autres anciens employés également que je, je salue. Euh, je constate aussi la présence de bénévoles. Je voyais M. Bilodeau tout à l'heure, qui est un bénévole qui, euh, qui euh, s'est impliqué beaucoup, en, entre autres, chez GMS. Je vois des partenaires aussi, des, des gens de GMS, crime industriel, euh, vie culturelle et communautaire. Euh, je vois des amis, collègues, euh, l'ancien DG de Shawinigan qui est ici. Alors, ça me, fait, ça me touche de le voir, Yves ici. Il a le même parcours que moi, on a le même profil. Euh, il est tout aussi compétent que moi, j'en suis certain. D'ailleurs, sa, sa retraite a également été soulignée à Shawinigan. Peut-être pas comme à Grimby, hein. <laughs> Je vois également euh, notre ami euh, Paul Raté, euh, qui a œuvré au sein de la municipalité à quelques reprises et qu'on euh, on affectionne euh, par son titre de « greffier ». Euh, également, Diane Dufresne, qui est la directrice générale adjointe de, de la ville de Candiac, résidente de Waterloo, dans notre belle région, donc, et qui, euh, qui, qui est présente. Ce sont des amis. Euh, au fil du temps, on développe des amitiés avec des collègues de travail. Alors, je suis, euh, je suis très heureux de les voir ici. Je vois également les gens du comité de gestion. Je suis touché de vous voir ici, particulièrement mon successeur, Gabriel. Je peux vous rassurer, euh, cette salle, je vous rassure, puis je rassure également la population. Vous avez, euh, vous avez fait le choix de Gabriel Bruneau pour comme successeur de Michel Pinot, puis vous vous êtes pas trompé. Il va faire un excellent travail, j'en suis sûr. Puis je lui souhaite une longue carrière à la Ville. Évidemment, je salue également les voisins, voisines que j'ai croisés tout à l'heure et celles à qui aussi j'ai offert les fleurs que la mairesse m'a données. Alors, euh, euh, j'espère ne pas oublier de, de, de gens, mais je vais, je vais dire un mot pour les citoyens présents dans la salle. Je ne voudrais pas qu'on me prenne des intentions politiques aucunement, parce que ça n'a jamais été mon rôle, mais je vous remercie d'être ici, non pas pour moi, mais pour la démocratie. Je vous remercie d'être ici pour poser des questions au conseil municipal, puis forcer le conseil municipal et l'administration municipale à toujours être les meilleurs, parce qu'à je crois que nous sommes les meilleurs. Alors, merci de, de votre présence également, puis de faire vivre cette démocratie qui nous est si chère au Canada, au Québec. Alors voilà, Madame la mairesse. merci beaucoup. C'est les derniers mots. Je suis euh, touché, honoré, je suis fier d'avoir travaillé pour la municipalité de, de Grebby. Tous les gens qui sont dans cette salle, tous les gens qui m'ont côtoyé, qui ont côtoyé autour, au cours de ma carrière m'ont permis d'exceller dans le poste de directeur général. Ça a été un honneur et un plaisir pour moi de travailler pour la ville de, Mer de Grimby. Merci beaucoup. Un grand merci à vous, Monsieur Pinot. Je pense que ça a été un plaisir pour chacun de nous, autant les gens dans la salle que les gens ici à de la table, de vous côtoyer. Ça a été très enrichissant. Donc, encore un grand merci. Donc, sur ce, je vais lever votre dernière assemblée. Donc, euh, c'est proposé par M. Gilles, appuyé par M. Lemay. Merci à tous. Bonne fin de soirée. C'est ça, ça fait euh...